Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement me confirmer si vous me voyez et si vous m'entendez bien? Bon, j'attends votre réponse au cas où ça ne fonctionnerait pas. Des fois que le micro, il a l'air de marcher, mais bon. Tout nickel, vu et oui. Super, très bien. Bon, vous avez pu le voir, il y a un petit décalage, je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des directs entre le moment où vous saisissez quelque chose et le moment où moi je les vois. Il peut se passer quelques secondes. Donc, ça explique pourquoi je ne réponds pas tout de suite. Je vois que vous êtes déjà bien nombreux. Ouh, très très bien, je suis ravie. Bonjour à Katia, Monique, Krishna, Delphine, Véronique. Et tous les autres, j'espère que vous allez bien. Je suis super, super contente de pouvoir faire ce direct. Ça fait quasiment un an qu'on n'en a pas fait. Et du coup, je vous ai préparé une petite carte de vœux. Si jamais vous n'avez pas eu ma newsletter, il s'agit d'une carte à l'aquarelle. Donc vous pouvez prendre du papier pour aquarelle, votre peinture, vos pinceaux. On va commencer avec une esquisse au graphite que je vais vous montrer. J'attends juste quelques secondes que tout le monde ait le temps de nous rejoindre et de s'installer pour qu'on puisse démarrer tous en même temps. Waouh, il y a déjà 70 personnes. Oh, bah c'est super. J'espère que la carte vous plaira. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous la montrer de plus près. Donc voici le modèle que nous allons faire. Donc c'est des petits ours polaires que j'ai trouvés sur Google. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être un peu flou. Est-ce que c'est flou? Je vais vous la mettre en grand directement en fait, au lieu de faire ça. Hop, voilà, comme ça vous pourrez mieux la voir. Du coup, oui, j'ai regardé des photos d'ours polaires dans Google Images, tout simplement. Et puis, je les ai transformées en petits personnages. Alors, je vous ai récupéré les modèles du coup que j'ai utilisés. Comme ça, vous pourrez voir directement, vous pourrez comparer, vous pourrez voir comment je m'y prends pour simplifier et pour, bah, voilà, pour en faire une illustration. Ok, alors je vois que on est passé à 115 personnes. C'est super! Eh ben, merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Je vois plein de bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bah, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que je vais répondre à vos questions pendant ce direct. Donc, je vais consulter le chat que je vais tout de suite passer en mode chat en direct pour avoir la totalité de vos messages. Et je vais repasser aussi sur la webcam parce qu'en fait, vous ne me voyez plus. Voilà qui est fait. Et comme ça, oui, si vous avez des questions sur la façon de procéder, si vous voulez aussi parler d'autre chose qui a un rapport avec l'art quand même, eh bien, n'hésitez pas, même si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais faire des petites pauses le temps que ma peinture sèche, et puis je vais remonter dans le chat pour voir un petit peu les discussions, et comme ça, on pourra papoter tout en peignant. Alors, cette première carte a été faite, comme vous pouvez le constater, dans un format carte postale. C'est un papier en cellulose, c'est du Aquapad de Clairefontaine. J'avais peur que ce soit un peu petit et que du coup, comme je tiens mon crayon assez près de la mine, c'est une tendance que j'ai, j'avais peur que vous ne voyiez pas grand-chose. Donc, pour la reproduire, j'ai pris ce format-là. Mais donc ça, c'est à peu près 13 par 20, quelque chose comme ça. Vous pouvez voir que c'est quand même, je trouve que ça rend bien en petit format. Si vous préférez le format classique, il n'y a aucun souci. Les trois personnages rentreront. Alors, bah je vois qu'il y a toujours des personnes qui arrivent, donc très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, je vais basculer l'image et comme ça, vous pourrez voir mon plan de travail. Tac. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, essayez de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Donc ça, c'est mon modèle. Ok. Très bien. Donc là, normalement, on est bon. Et un bonjour à tous ceux qui arrivent. Du coup, je vous propose de commencer par esquisser le bonhomme de neige, qui est un ourson de neige, étant donné que nos personnages sont des ours. Du coup, évidemment, quand ils font un bonhomme de neige,
C'est un ours. Donc très facile, lui je vous propose de le placer au centre de l'image, comme ça ce sera plus facile d'équilibrer votre composition et d'avoir vos trois petits personnages bien positionnés sur votre carte. Bonjour à Marilyn, merci beaucoup. Bonjour à Clémence. Je ne sais pas prononcer, je vais dire le nec ou le naïk, je ne sais pas, je suis désolée. Et ok, c'est parti. Alors, on va aussi laisser de l'espace vide parce que vous pouvez voir sur le modèle que la partie inférieure de la carte ici est restée blanche. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant si on veut ajouter un lettrage et écrire Joyeuse fête ou Bonne année ou peu importe ce que vous voulez écrire. Comme ça fait un peu de neige. Je trouvais que c'était pas mal. Ok, alors c'est parti. Du coup, vous voyez bien, oui. Alors je vais appuyer un peu plus que ce que je le ferais si je ne me filmais pas, de manière à ce que vous puissiez bien voir mes gestes. Donc pour le bonhomme de neige, on va commencer par faire la tête. Donc il s'agit de presque une boule, mais vu qu'il va y avoir l'écharpe ici, on va l'aplatir un petit peu. Et ensuite, pour le corps, c'est un deuxième rond, presque rond. Et là encore, quand on va le poser sur le sol, pour vraiment qu'on sente le poids de la neige, au lieu de le finir en arrondi, on va le faire un peu plus plat. Ça nous permettra de communiquer un peu plus de tridimensionnalité. Ok, donc là j'ai mon bonhomme au centre, j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir faire ourson numéro 1, ourson numéro 2. Alors, je vois qu'il commence à y avoir des questions. N'hésitez pas à les poser. Ok, je ferai une petite pause un peu plus tard. On va juste avancer un peu sur l'esquisse, histoire de pouvoir commencer à construire notre carte. Donc, je poursuis avec mon ourson de neige. Du coup, il a deux autres boules de neige qui vont servir pour les oreilles. Elles vont être un peu plus écrasées. J'espère que mes doigts ne vous empêchent pas trop de voir. Il faut que je pense à le prendre un peu plus haut, ce crayon. On ne voit pas bien le haut de ta feuille. Ah, pourquoi? Pourquoi ne voyez-vous pas? Est-ce que vous voyez bien l'esquisse normalement? Dites-moi si vous voyez bien mon tracé ou si vous voulez que que j'appuie plus. Comme ça, je pourrais faire en sorte de m'adapter. Blanc sur blanc. Est-ce que c'est un problème si vous voyez l'esquisse? Ou est-ce que peut-être ça vous embête pour le cadrage? Alors attends, je réfléchis, je réfléchis. J'ai peut-être une feuille de papier coloré. Ça sera une pochette de papier. Voilà. Ok, donc vous pouvez voir que j'ai laissé un petit peu d'espace au-dessus. Je trouve que c'est sympa parce qu'en fait, on va avoir cet arrière-plan qu'on va faire avec différents glacis et ça, c'est très très chouette. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup et comme ça, on pourra en profiter justement. Alors, il faut mettre un papier de couleur. Oui, ok, donc ça c'est bon. C'est flou de temps en temps, c'est la mise au point qui bouge. Ah oui, merci. Merci, t'as raison. Ah bah non, c'est en mode manuel. Du coup, c'est pas la mise au point qui bouge. Est-ce que ça peut être la table qui bouge? Pourtant, le trépied ne touche pas la table, donc je ne pense pas. Je sais pas quoi vous dire. La présentation est correcte, c'est flou. Alors si c'est flou, je pense qu'il faudrait faire un rafraîchissement. Essayez peut-être d'actualiser la page. C'est peut-être un problème de. Ouais, pas flou pour Katia. C'est peut-être un problème de connexion. Du coup, ouais, essayez de rafraîchir la page. Vous avez aussi la petite roue crantée normalement en bas à droite de l'image que vous pouvez cliquer dessus pour modifier les paramètres et vous prenez la qualité maximale et ça devrait le faire. Tout est parfait. Ok, super. On continue. Allez, du coup, on en était aux oreilles. Alors ensuite, je vous propose de faire
le museau. Donc pour cela, on va tracer un cercle sur la partie inférieure de notre tête, comme ceci. Ce cercle-là, il sera effacé. Il faut comprendre que vraiment, il y a pas mal de choses qui vont être effacées et que je trace parce que ça va nous aider à construire nos personnages, mais après, on va gommer. Donc une fois que vous avez ce cercle, on va pouvoir rajouter la truffe. Alors c'est un bonhomme de neige, donc la truffe n'est pas très élaborée. On va dire qu'ils ont dû trouver un petit caillou par terre. Hop. Et du coup, ils l'ont collé pour faire la truffe. Et bonjour à Stella qui nous rejoint. J'espère que tu vas bien, Stella. Ensuite, on va faire la bouche. Idem, ils ont trouvé des petits cailloux. Et pour les yeux, pareil. Alors les yeux, vous pouvez les placer un peu comme vous voulez. Ils peuvent être très écartés du museau ou plus rapprochés. Vraiment, il y a plein, plein, plein de façons de faire les yeux des personnages. Donc, si vous avez envie de changer, n'hésitez pas. Ensuite, alors il nous reste l'écharpe. Pour l'écharpe, on va tout simplement venir mordre un petit peu sur la bordure entre la tête et le corps. Et en fait, c'est un rectangle, mais avec les angles complètement arrondis. Et on peut lui donner aussi un peu de mouvement. Vous voyez, là, je l'ai fait un peu trop rectiligne. C'est bien s'il y a quelques petites courbes qui montrent que c'est du tissu, que c'est un peu léger, malléable. Ça apporte un petit peu plus de réalisme, on va dire. Voilà. Sans exagérer. Pour te faire rire, ici, il est 8h13. Oh, zut, je me suis trompée. Du coup, j'avais dit que c'était 9h. J'avais dit que c'était 9h, heure du Québec, parce que quand j'ai regardé, c'était ça. Mais vous avez changé d'heure aujourd'hui, alors, parce que j'ai regardé hier. Et en plus, l'année dernière, j'avais eu exactement la même blague. Oh là là. Du coup. Et bonjour à Noël qui nous rejoint. Alors, je vais du coup enchaîner avec l'ours de gauche, qui est un ours assis. Je peux vous le montrer. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Donc ça, c'est un ours que j'ai trouvé en tapant Sitting Polar Bear sur Google Images. Nous avons changé d'heure le 4 novembre. Mais Google m'a menti alors, parce que j'avais tapé, pourtant j'ai cherché. J'ai... Bon, et eh ben écoute. Ou alors j'ai pas cherché comme il fallait, de toute évidence. Donc, on a cet ourson. Alors, il se cogne un peu la tête sur le haut de mon image. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans mon logiciel de streaming, c'est pas le cas, mais écoutez, je vais le descendre un petit peu. Histoire que vous puissiez bien le voir. Donc lui, on va vraiment, vraiment, vraiment le simplifier, hein. Après, si vous êtes à l'aise et que vous préférez le rendu un peu plus réaliste, faites-vous plaisir. Hop, je reviens sur le chat. Et donc, on va commencer en fait exactement de la même façon. Nous allons traiter cet ours comme un bonhomme de neige ours. Hop, du coup, on va commencer par la tête et là encore, ça va être un cercle. Mais là encore, c'est une forme qui va nous aider à construire, mais que nous allons modifier par la suite. Et c'est vraiment important parce que sinon, vous risquez d'avoir un effet un peu bizarre. Donc déjà, on va se demander où est-ce qu'on veut le positionner par rapport au bonhomme de neige. Est-ce qu'on veut qu'il soit plus grand que lui? Est-ce qu'on veut qu'il ait à peu près la même taille? Est-ce qu'on veut qu'il soit plus petit? Moi, je pense que vu la taille de ma feuille, je peux me permettre de le faire un peu plus grand, bien que sur le modèle, je l'avais fait de la même taille. Mais s'il est un peu plus grand, je vais faire dépasser un peu sa tête. Donc, je vais commencer par une boule. Tac. Je vais appuyer un peu plus sur mon tracé. Et de là, alors, je ne vais pas commencer tout de suite par l'écharpe. Je vais déjà faire la structure, en fait. Donc, on a un cou qui est massif. Clairement, il n'a pas besoin de faire de musculation. Hop. Donc, on a ce cou qui fait comme ça. Et ensuite,
il y a le reste de son corps qui part un peu en biais. D'accord? Alors, est-ce qu'on veut qu'il soit sur le même plan, comme s'il était vraiment à côté du bonhomme de neige, auquel cas ses pattes, en fait, elles vont arriver sur la même ligne? Ou est-ce qu'on veut qu'il soit un peu devant le bonhomme de neige, auquel cas on va les faire arriver un peu plus bas? Donc moi, je vais rester sur le fait que, il est assis à côté. Donc là, on a une ligne verticale pour la papatte de devant. Et pour la patte, on va la simplifier simplement en faisant une espèce de petite ellipse. Comme ça. Pour l'instant, ça suffit. Ici, on a la patte arrière qui est un peu en perspective. Donc, elle va avoir un côté plus grand que l'autre. Ça, c'est l'avant de la patte arrière. C'est un peu bizarrement dit, mais c'est pourtant le cas. Et ici, l'autre extrémité, beaucoup plus petite. Et ensuite, je vais relier. Et ça suffit. Dans un second temps, je vais faire la deuxième patte avant. Idem, une espèce de petite ellipse. Et vous voyez, la mienne, elle touche la patte arrière, alors que sur le modèle, ce n'est pas le cas. Eh bien, ce n'est pas grave du tout, parce que ce modèle est une simple inspiration. Alors, je regarde juste ce que vous avez écrit. Je n'arrive pas à bien voir, je regarderai et ferai en différé. Ok, bah, pas de souci. J'espère que ça se passe bien, que la plupart des gens peuvent bien voir en tout cas. C'est vrai que je vais me mettre en plein écran pour voir. Alors moi, je ne me vois pas très bien non plus. Mais d'un autre côté, en fait, mon image est très en retard par rapport à la vôtre. Du coup, je n'ai pas encore dessiné cet ours. Bon. Allez, c'est pas grave, on enchaîne. Alors, donc, je passe à la dernière papatte. Et je vais refaire une forme un peu abstraite comme ça. Comme ceci. Ok. Je vais juste attendre un petit peu, histoire de vous permettre de bien rattraper si besoin, de bien vérifier votre silhouette. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais remonter dans le chat pour pouvoir voir ce que vous m'avez écrit. Si je peux. Oui, je peux. Ok. Alors. Ta-ta-ta-ta. Il y a eu tellement de bonjour. Cindy, comment as-tu trouvé ton style artistique et l'animalier a été pour toi une évidence dès le départ? J'ai commencé effectivement par être artiste animalier, donc à la base je faisais des portraits d'animaux sur commande. Oui, ça a été une évidence parce que dès que j'ai commencé à m'intéresser au dessin, mon but ultime c'était de pouvoir dessiner des animaux réalistes. Donc pendant assez longtemps, je n'ai fait que ça, des portraits sur commande. Ça marchait plutôt bien. Et ensuite, j'ai eu envie de changer un petit peu. Bah, en fait, le problème c'est que c'était mon job à plein temps, donc je faisais ça vraiment du matin au soir. Et j'avais même pas de jour de repos parce que, en fait, pour essayer d'avoir un salaire qui soit un minimum. Descend, en fait, il fallait que j'en fasse énormément, énormément. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Au bout d'un moment, ça me rendait un peu folle d'être dans cette roue qui n'avait aucune fin. Et dès que j'arrêtais de dessiner, je ne pensais qu'à dessiner. Et du coup, j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube pour me forcer, en fait, à prendre le temps de faire d'autres choses et pour faire surtout mes propres sujets et pas simplement des modèles que les gens me commandaient, parce que mine de rien, bah, quand on aime l'art, on aime bien aussi pouvoir choisir et pouvoir explorer. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à explorer, c'est comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore et j'ai eu envie de dessiner, mais des tas de choses qui n'avaient plus rien à voir. Et du coup, je pense pas qu'on puisse dire que j'ai un style artistique très marqué, parce que je fais tellement de choses qui sont complètement différentes, mais je ne cherche pas en fait à avoir un style. C'est vraiment un truc qui m'a jamais vraiment intéressée. Moi, mon but, c'est de m'éclater, en fait. Du coup, oui, je peux faire des choses qui sont complètement différentes les unes des autres, et c'est pas un souci. Alors,
Est-ce que vous avez pu rattraper? Je pense que oui. Donc je vais pouvoir continuer. Donc si tout va bien, normalement, vous devriez avoir votre bonhomme de neige, votre silhouette de ce premier ourson. Et du coup, on va l'affiner. Donc maintenant, je vais rajouter les oreilles. Alors elles vont être un petit peu différentes de celles du bonhomme de neige parce que là, bah, ce ne sont pas des boules de neige, ce sont de vraies petites oreilles. Donc on va essayer de faire une forme un peu plus naturelle. Donc au lieu d'être complètement aplaties comme ça, elles vont être un peu plus arrondies. On en fait de chaque côté de la tête. Vous avez vu qu'elles sont quand même assez écartées. Et regardez bien leur taille aussi par rapport à la tête, histoire de ne pas transformer cet ours en lapin, ce qui serait dommage. Ensuite, on va faire la même astuce pour ce qui est du museau, mais pour lui, il a un museau qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dans la verticalité que le bonhomme de neige qui lui était beaucoup plus rond. Donc, il va venir jusque au niveau de la base. J'aurais peut-être dû faire l'écharpe. Oh, quoique non, je la ferai en dessous. Ok, donc museau. Une fois que le museau est fait, on a peut-être un peu plus de facilité pour placer les yeux. Alors moi, je lui ai fait les yeux fermés et je lui ai fait les yeux légèrement tombants comme ça vers l'extérieur. Je trouve que ça lui donne un air encore plus content. Donc les yeux fermés, c'est un simple trait recourbé qui va suivre d'ailleurs un peu la courbe du museau, hein, comme ceci. Et ensuite, naturellement, on va enchaîner avec la truffe. Alors, on peut dire que cet ours a une truffe de belle taille. Du coup, très simplement. Et là encore, comme pour les yeux, il y a vraiment plein de façons. Oh là, je l'ai faite un peu trop basse, cette truffe. Quoique. Il y a plein de façons de faire les truffes. Moi, j'aime bien les faire avec le haut légèrement arrondi et ensuite deux traits comme ça. Et ensuite un petit trait horizontal pour terminer. Et pour la bouche. La bouche, elle est assez près de la truffe. Ok. Ensuite, je vais faire l'écharpe. Comme pour le bonhomme de neige, hein, je fais un rectangle arrondi avec un petit creux là sur les côtés. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, alors on sait bien que ce sont des ours polaires, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'écharpe ni de manteau. Mais ce sont des ours polaires très élégants. Donc évidemment, ils ont un manteau et une écharpe. Ok. Serait-il possible la prochaine fois d'avoir le modèle avant, car le dessin en live est rude pour moi? Oui, c'est vrai, d'habitude je le faisais, j'ai complètement oublié. Je ne suis plus très rodée pour ces directs, tu as raison, j'y penserai la prochaine fois. Mais d'un autre côté, si tu avais déjà fait le dessin, tu serais en train de patienter, peut-être que tu t'ennuierais, alors que là, du coup, bah, tu fais le dessin en même temps, c'est cool. Alors, je reviens à mon modèle, ok, on va pouvoir poursuivre donc. Très facile, simplement on va prolonger un petit peu ici l'intérieur des patounes, histoire de les matérialiser. Ok. On a celle-ci là. Donc moi j'aime bien lui faire des petites griffes parce que c'est quand même un ours. Alors normalement il a 1, 2, 3, 4, 5 petits coussinets. C'est beaucoup, hein, franchement. Hein? Donc il y en a 3 au milieu. Et après, il y en a deux petits comme ça sur les côtés. Et ensuite, alors il a un petit rond comme ça, suivi de un truc comme ça. C'est marrant, je ne voyais pas ça comme ça, en fait, le dessous d'une patte d'ours. Et pour celle-là, idem. On n'est pas obligé, en fait, on pourrait très bien la laisser comme ça.
Mais on peut aussi faire les doigts si on veut faire les séparations de chaque doigt. Enfin, je vais la laisser comme ça, mais par contre, je vais faire les petites griffes. Ça, j'aime bien. Idem pour celle-là, faire les petites griffes. Et il nous reste donc cette grosse patoune-là que j'ai faite un peu petite. Et là, ok, là, il y a les trois coussinets, plus les petits. Et voilà. Je vous laisse rattraper ça. Et je vais aller. Je vois que vous avez du mal à suivre. Du coup, très bien. On refait une pause. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Pendant ce temps, je vais aller chercher vos petites questions. Oh, j'ai vu que Tominou avait dit coucou à tout le monde. Je n'avais pas vu. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur j'aime. C'est très gentil à vous. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, voilà, j'ai retrouvé là où j'en étais. Donc là, on en était à parler du fond blanc qui était gênant. Donc ça, c'est bon, c'est traité. Comment avance la formation carnet de voyage? Eh bien, elle avance très très bien, même si, comme toujours, j'aimerais que ce soit bien plus avancé. Mais on a deux modules sur les trois qui sont quasiment terminés. Alors, moi, pour ma part, j'ai fini. Tominou est en train de travailler sur les peaufinages pour que tout soit vraiment parfait. Et là, j'ai terminé toutes mes obligations de ce mois de novembre qui ne concernaient pas la formation. Donc, je vais pouvoir me consacrer pleinement au tournage du module 3 qui va être vraiment super. Et il est déjà, on va dire, scripté. Je sais déjà exactement ce que je vais dire, ce que je vais effectuer comme démonstration, etc. Mais il faut faire les tournages et le montage, et c'est clairement ce qui prend le plus de temps. Et bonjour à Evelyne qui nous rejoint. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ils sont vraiment cute, les petits ours. Merci beaucoup. Je ne vois pas le modèle au-dessus du dessin. Oui, c'est plus pour moi en fait. Mais pour l'instant, en fait, on est sur la construction des ours. Une fois qu'on aura fini l'esquisse, vous le verrez à l'écran. Je le mettrai à votre écran. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Je n'aurais jamais pensé à prendre un modèle de vrai ours. Eh ben oui, ben, c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment important parce qu'on a beau savoir à quoi ça ressemble un ours. Je trouve que pour les mettre dans certaines positions, c'est vrai qu'à moins de vraiment bien s'y connaître dans l'anatomie d'un animal, ça aide quand même d'avoir des photos. Ah, quelqu'un qui n'avait pas de son. Alors je pense que ce message a été mis il y a assez longtemps, donc j'espère que Marie a pu résoudre son problème de son. Bon, je pense que vous avez dû pouvoir rattraper. On va pouvoir avancer tranquillement. Donc pour cet ours-là, il est presque fini. On va juste lui rajouter son petit manteau. Comme ça, il sera tout beau. Alors, c'est très facile en plus. Déjà, on va faire les manches. Donc on sait qu'il va s'arrêter à peu près là. Je laisse le bout de ses petites pattes dépasser, bien sûr. Et ce qu'on peut faire aussi pour rajouter un peu plus de tridimensionnalité, vous voyez là, en fait, on a une seule ligne qui fait la patte. On peut faire en sorte que la manche soit un peu plus large que la patte. Donc, faire dépasser un peu comme ceci. Comme s'il était très légèrement trop grand pour lui. Parce que il a perdu du poids ces temps-ci, il a fait tellement le fou dans la neige que du coup son manteau est légèrement trop grand. Voilà.
Et pareil, après, c'est vrai que vous voyez la différence entre cette ligne-là qui est complètement rectiligne et ici où j'ai fait une petite vaguelette et qui donne tout de suite l'impression que le tissu est plus, je sais pas, il est plus comme une texture de tissu, quoi. Donc, on peut comme ça essayer de donner un peu de mouvement. Là où il faut faire attention, c'est que si vous êtes débutant particulièrement, ce genre de choses, tiens, je vais donner du mouvement, ça a vite tendance à se retrouver en je fais plein de vagues et du coup ça fait super bizarre. Donc il faut avoir la main légère. Donc les manches, c'est OK. Ensuite, on va pouvoir faire le reste du manteau. Donc on va avoir une partie là. Idem, je ne fais pas une ligne droite. Et ici, il va s'arrêter. Comme ça. Et je peux venir, vous voyez, encore une fois, rajouter un petit espace là, comme ceci. Maintenant, on va affiner la tête. Comme je vous le disais, là, on a fait un cercle. C'est le moment où on va pouvoir reformer un petit peu ce cercle de manière à ce que le rendu soit un peu plus naturel. Vous voyez, si je mets côte à côte le résultat final avec l'esquisse. Vous pouvez voir que là, il y a eu des petites vaguelettes, que la tête a été un petit peu élargie pour avoir quelque chose de qui paraisse plus réel, quoi. Donc, c'est parti. Déjà sur le dessus. Alors, je vais réouvrir mon modèle. Bon, il se trouve que le modèle avait le dessus du crâne assez lisse. Mais bon, j'aime bien quand même. Je vais gommer comme ça se verra beaucoup mieux. J'aime bien quand même mettre un petit peu de mouvement. Voyez, il s'agit simplement d'avoir au milieu, là j'ai fait un petit creux, ça suffit. Pour ce qui est des joues, au niveau de l'œil, ça va faire un petit creux. Un peu comme nous, là, au niveau de la tempe. En fait, là j'ai un peu humanisé l'animal. Donc, on lui fait une espèce de tempe et ensuite, ça part un peu plus. Du coup, ça lui donne un air tout de suite plus joufflu et ça donne envie de lui pincer sa joue comme ça. Moi, j'aime bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. À la limite, de l'autre côté, on peut faire deux trucs comme ça. Parce qu'il est un peu. Il a un peu un côté dans son épaule, c'est pour ça. Je reprends juste un peu mon écharpe. Il est très rigolo. Je vais élargir un peu sa truffe. C'est vraiment une grosse truffe, cet ours. Pour vérifier que vos yeux soient bien placés, il faut que vous puissiez faire une courbe comme ça. Et les relier en fait sans que votre ligne là, elle ne fasse une diagonale. En fait, si elle part trop en biais, ça veut dire que vous avez un œil qui est trop haut par rapport à l'autre. Il faut vraiment qu'il soit bien sur la même ligne parce que là, on lui a fait la tête bien droite. S'il avait la tête penchée, bon, ça aurait été différent. Bon, on va faire la tête penchée sur le deuxième, comme ça vous pourrez voir. As-tu déjà pincé les joues d'un ours? De mon ours en peluche, oui. Est-ce que tu penses faire des directs tous les 15 jours comme l'année dernière? Là, pour, je pense que oui, dans 15 jours, il y aura un nouveau direct. D'ailleurs, si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous aimeriez me voir peindre, n'hésitez pas à les écrire. Moi, j'aimerais essayer de faire une aurore boréale à la gouache, mais de notre côté, j'adore aussi faire des petits animaux comme ça, des petits personnages. Donc, si vous avez un avis sur la question, est-ce que vous préférez les personnages ou est-ce que ça vous dirait bien de faire un paysage nocturne, comme on avait fait d'ailleurs l'année dernière, n'hésitez pas à le dire. Hello Céline, j'espère que tu vas bien. Et bonjour à Claude aussi. Et bonjour à Christine aussi. Christine, je crois que tu étais déjà là en fait. Ok, est-ce qu'on peut continuer? Dites-moi un peu où vous en êtes, n'hésitez pas, comme ça je sais s'il faut que j'avance un peu, parce que je ne voudrais pas que vous vous ennuyiez, ou si je réponds à vos questions. Pendant ce temps, pour occuper ce petit décalage, je vais
remonter chercher une autre question. Hop, 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 hop. Quel graphite est utilisé ici? Oh, c'est un graphite EA Games que Tominou avait dû ramener d'un salon. Je pense que c'est un crayon HB, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne suis pas du tout précieuse sur mes crayons graphite, je prends vraiment ceux que je trouve. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je prends plutôt des Bic porte-mine, que je trouve très très bien, parce qu'on n'a pas besoin de les tailler. Est-ce que cette photo vient de Pixabay? Non, la photo ne vient pas de Pixabay, elle vient du stock Adobe eStock. Beaucoup de retard, ça devient seulement net, je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Bah, c'est peut-être ta connexion, Mimi. Quel est votre parcours artistique? Alors, je regardais juste où vous en étiez. Appuyez plus. Ah bah là, ça va être compliqué parce que j'ai déjà pas mal appuyé. Je ne pense pas pouvoir appuyer plus. Je pense que ça vient de la qualité de la vidéo. Tominou, si tu m'entends, est-ce que de ton côté la qualité c'est bien ou pas? Nounours terminé. Ok, on enchaîne. Et pendant ce temps, enfin juste après plutôt, parce que je vais plutôt vous expliquer ce que je fais. Juste après, je vous raconterai mon parcours artistique. Ça va être très vite fait parce que je n'ai pas de parcours artistique. Alors je prends mon deuxième. Je vous mets le deuxième modèle que j'ai trouvé pour vous. Celui-là, il est vraiment, mais tellement mignon. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est lui. C'est lui que je veux dans ma carte. Il est trop chou. Il a une forme de bouteille. Ok, alors lui par contre, il se tient debout. Donc si on part du principe que nos ours ont le même âge, qu'ils ont la même taille, puisqu'il est debout, il va falloir qu'il soit plus grand que son petit copain. Donc la tête, on va la faire plus haute. Si vous ne pouvez pas, admettons, vous avez fait vos bonhommes trop près de la bordure supérieure de la feuille. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec ma petite carte. Si vous ne pouvez pas, eh bien vous allez le placer plus devant le bonhomme de neige. Donc vous allez le faire descendre plus bas au lieu de le faire monter plus haut. Ou comme là j'ai fait, vous allez le faire monter plus haut et descendre plus bas. Ok, donc c'est parti. On commence là encore par la tête. Alors lui, il a une tête qui est vraiment plus écrasée parce qu'il a penché la tête en arrière et il nous regarde comme ça derrière sa grosse truffe. C'est ce qui le rend tellement mignon. Du coup, alors je vais le placer à peu près au centre, entre la bordure et le bonhomme de neige. Et donc, comme je vous le disais, je vais le faire un peu plus haut. Et il faut que la taille de sa tête soit similaire à celle de son petit copain. Il y a un truc qui me dérange avec son copain, mais je pense que j'ai fait sa truffe trop bas. Pourtant, l'autre aussi, il était bas. Je sais ce qui me dérange, c'est ce trait-là. Oui, en fait, c'était ça. Ok, c'est pas grave, c'était un trait de construction. Donc ça, c'est la base, hein, de la tête, c'est pas le sommet du crâne. Et comme je vous le disais, il va être plus... Alors là, je l'ai fait trop large. Alors, je sais que là, j'ai pas beaucoup appuyé, mais c'est que je suis pas encore assez sûre de moi, mais je vais repasser, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Tomino a répondu? Oui, on reverra les paramétrages vidéo pour la prochaine fois si on peut améliorer la qualité. Ok. Ça marche. Donc. Là, je l'ai faite un peu trop, pas assez écrasée, justement. Donc, je vais reprendre. Voilà, comme ça. Je vais gommer ce trait-là. Yes, ça c'est bien. Très très bien même. Ensuite, donc il y a ce long cou qu'on va pas faire aussi long. Parce que, en fait, si vous regardez sur ma version, j'ai beaucoup agrandi la tête par rapport au corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les illustrations. Quand on fait un animal et qu'on veut chercher à le rendre plus mignon, en fait, on va souvent faire ça, on va grossir la tête. Parce que inconsciemment, en fait, ça nous rappelle les enfants qui ont proportionnellement la tête beaucoup plus grosse que les adultes par rapport à leur corps. Et donc ça contribue à donner quelque chose de plus touchant, quoi.
Donc oui, on va faire une partie de ce coup, mais on ne va pas le faire aussi long. Je vais juste faire comme ça. Et là, ça suffit. Et à partir de là, on peut aussi d'ailleurs marquer déjà l'emplacement de ses pattes arrière. Par exemple, ça c'est trop haut. Ici, ça me paraît bien. Donc je peux déjà mettre les pattes arrière. Alors je les ai vraiment grandement, grandement simplifiées par rapport au modèle, hein. J'ai juste fait, vous voyez, hop, deux demi-cercles et ça suffit. Et de là, je vais l'élargir un peu plus sur la partie inférieure pour lui donner un peu plus cette forme de bouteille. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça que Coca-Cola ont choisi un ours polaire parce qu'ils ont une forme de bouteille? Ou ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Alors, je vous laisse quelques minutes ou quelques secondes pour faire cette petite bouteille de neige. Et bienvenue à Laurence qui nous rejoint, ainsi qu'à Hélène et Mireille. Ok, on va pouvoir continuer. Donc, on va passer aux pattes avant, qui pour moi contribuent grandement à la mignonitude de cet ours. Donc, on va les placer par rapport à la hauteur de son corps. Je dirais que celle de gauche, enfin sa patte droite, est à peu près au milieu. Et là encore, on ne va pas du tout chercher, enfin moi en tout cas, je ne vais pas du tout chercher à la représenter telle qu'elle est, hein. Je vais vraiment la simplifier. Elle va venir un peu plus comme ça. Voilà. Et elle va venir dépasser par rapport à cette ligne de construction qu'on a tracée. Hein. La deuxième. Va arriver un petit peu plus bas. Et elle aussi, je vais la faire dépasser légèrement. Merci pour nous montrer comment simplifier le dessin, mais avec plaisir. C'est ce que je trouve super intéressant et c'est pour ça que je prépare pas mes esquisses à l'avance, même si ce serait évidemment plus simple et le direct serait moins long, mais bon, comme ça, on a un petit peu plus de temps pour papoter et ça me permet vraiment de vous montrer comment je fais pour créer ces petits personnages. Je trouve que c'est chouette. C'est quelque chose que j'adore faire. Alors une fois qu'on en est là, du coup, eh ben, on va procéder comme pour le précédent. On va commencer à rajouter nos détails. Et alors celui-là, la petite nouveauté et entre guillemets difficulté, c'est qu'il a la tête vraiment penchée en arrière. Et aussi, on s'était dit qu'on le ferait pencher. Et j'ai oublié. Donc, pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le faire pencher si vous n'avez pas envie. Moi, je vais quand même le faire parce que je trouve que c'est intéressant de. Bah, déjà, ça. Visuellement, c'est intéressant, mais aussi ça vous montre comment faire pour changer l'angle de la tête de vos sujets. Donc là, vous voyez, comme ici, là, j'avais une horizontale, du coup, je viens la transformer en diagonale. Et évidemment, il faut que celle qui se trouve à la base soit parallèle. Donc elle aussi, elle va devenir diagonale. Qu'est-ce qui se passe quand on penche la tête? On va avoir un côté du cou, celui-ci, qui va être plus allongé que l'autre. L'autre, du coup, il se retrouve comme ça. Cou du lapin. Et pour pouvoir positionner les yeux correctement,
Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà tracer la ligne. Imaginez en fait qu'on a une ligne là qui vient séparer en deux le visage et ça va beaucoup nous aider pour la symétrie des yeux. Et comme la tête est penchée, cette ligne, elle est penchée aussi. Donc, elle est en biais comme ça. Et ensuite, on va tracer la ligne des yeux qui va être elle aussi parallèle au sommet et à la base de la tête. Alors, comme il a la tête penchée en arrière, du coup, ses yeux, ils sont hyper hauts sur son crâne. Ils sont beaucoup plus hauts que s'il avait la tête normalement positionnée. Du coup, on va faire cette ligne près du crâne, comme ça. Et elle va être aussi... Elle n'est pas tout à fait droite. Elle est légèrement arrondie parce que la tête aussi, c'est plus une sphère que... C'est pas plat, quoi. Donc, j'aime bien la faire aussi légèrement arrondie. Et une fois qu'on a cette ligne, on peut positionner la truffe. Alors, vous voyez que sur le modèle, on peut voir un bout du museau avant de voir la truffe. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il regarde vraiment derrière cette grosse truffe qui prend toute la place. Donc, en fait, moi, je vais la faire directement sous ses yeux. Et cette ligne-là, on va dire qu'elle passe au milieu des yeux. Donc, la truffe, je ne vais pas la coller non plus à cette ligne, mais je la fais juste en dessous. Et je vais faire... Là, ce serait bien de faire à peu près la même forme que celle que vous avez choisie pour le premier ours. Comme ça. Ce n'est pas facile de travailler dans le petit format. Ça dépend, ça dépend. Moi, je sais que ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je comprends que pour certaines personnes, c'est peut-être plus simple de le faire dans un grand format ou en tout cas d'avoir des outils vraiment précis. Par exemple, tout à l'heure, je vais utiliser ça. C'est un petit liner. Là, j'ai pris un 0,2. C'est super fin, mais il y a même encore plus fin si on veut. C'est vrai que plus vous travaillez petit, plus vous avez besoin d'outils qui vous permettent un tracé bien fin. Je suis d'accord, c'est hyper intéressant de voir comment simplifier. Et ben, je suis ravie que ça vous intéresse, c'est très bien. Je crois que j'avais rattrapé vos questions. Paysage nocturne, pourquoi pas pour un prochain sujet. J'adore les animaux, pour des petites cartes pour Noël ou les vœux ou juste pour nous-mêmes. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en général, mes cartes de vœux, comme j'en fais souvent pour ma famille, que je vois une fois que je suis descendue, parce qu'eux, ils sont dans le sud et nous, on est à Angers. Du coup, en général, je fais mes cartes de vœux à l'avance. Et plutôt que de les mettre dans une enveloppe tout de suite, j'aime bien les mettre un peu partout dans la maison, comme ça on en profite, ça nous fait des petites décos aussi. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de vos nounours. Et me dire si vous êtes content de la tournure qu'ils prennent, si vous avez des difficultés, qu'est-ce qui vous pose des difficultés. Peut-être que je peux vous aider. N'hésitez pas. En attendant, je vais poursuivre. Donc, on va poursuivre avec les yeux, qui sont un petit peu le challenge de cet ours-là. Alors. Déjà non, avant de faire les yeux, vous savez quoi? On va faire la partie supérieure du museau. Et là, je vais m'éloigner un petit peu du... Attendez, parce que je vois que j'ai pas le bon ours. Si j'ai le bon ours. En fait, j'ai un retard incroyable sur mon aperçu du direct. Oui, c'est ça qui est perturbant. C'est pas grave. Donc, je disais, on va faire le dessus du museau. Et lui, par contre, on va le faire vraiment démarrer sur la bordure supérieure de la truffe. Et on va faire simplement un petit arc de cercle comme ça de chaque côté. Ça va nous aider à placer les yeux parce que du coup on sait que ils vont jamais pouvoir dépasser cet arc de cercle. Ils vont toujours rester au-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer par la pupille. Donc les pupilles, je les ai placées. Alors il y en a une qui est vraiment pile poil au-dessus de l'angle qui est formé par la truffe et l'arc de cercle qu'on vient de créer pour le museau. Comme ça. Et l'autre, je l'avais décalé un petit peu pour faire comme s'il avait la tête légèrement tournée. Donc je la décale juste un tout petit peu. Tac.
Une aurore boréale, ce serait bien. J'aimerais apprendre à en faire. Ouais, je voudrais essayer une technique en fait à la gouache parce que je me dis que peut-être avec un pinceau éventail, il y a moyen de faire vraiment les traîner. Mais il faut que je fasse des tests. Il faut que je fasse des tests d'abord. Plus de gomme de crayon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, plus de gomme que de crayon. Ah oui. Ah oui, j'ai un truc d'emoji en fait qui vient masquer une partie des mots. C'est très pratique, dis donc. C'est pas grave. Bon, ensuite, la bouche. Je vais la faire à peu près à mi-chemin entre le menton et la truffe. Comme ceci. Et je vais faire aussi, bien sûr, la partie supérieure des yeux. Donc, en fait, moi, j'ai fait juste la ligne du dessus et la ligne du dessous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez faire des yeux comme ça si vous préférez, comme le petit bonhomme de neige. J'aurais pu aussi relier et faire les yeux vraiment complètement ancrés. Je ne l'ai pas fait. En général, j'aime bien faire juste le dessus et le dessous. Je trouve que ça suffit. Mais voilà, il y a plein de styles. Même vous pouvez changer la forme des yeux. Il y a je ne sais combien de formes d'yeux possibles et imaginables. Là, tout de suite, je pense qu'on ne devinerait absolument pas que c'est un ours. Mais il faut garder confiance. Donc, la partie supérieure, et je vais effacer ma petite ligne de construction pour que ce soit un peu plus facile à voir. On est presque 200 personnes. Waouh! C'est super cool. Je ne sais pas si les 200 personnes sont en train de dessiner. Mais en tout cas, c'est très chouette. Donc après, je fais ma partie supérieure de mes yeux. Et en fait, je le fais de façon à ce que ce soit parallèle au museau. Comme ça, en fait, les yeux sont légèrement tombants vers l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un bon truc pour donner une impression, une expression gentille à un personnage. Et à l'inverse, si vous les faites tomber vers l'intérieur, là, vous donnez une impression de colère. Donc voilà. Même cette expression-là, avec le dessus des yeux qui tombe, si vous faites la bouche triste, tout de suite, ça communique beaucoup justement la tristesse. Donc ça peut être des petits outils comme ça, selon ce que vous voulez dessiner. Une fois qu'on en est là, on peut rajouter ces petites oreilles. Alors je vois que sur le modèle, ils ont les oreilles bien tournées comme ça. Moi, je les ai fait un peu sur les côtés. Bon. Chacun voit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du fait de sa posture avec la tête redressée, les oreilles, elles apparaissent plus petites parce qu'elles sont en partie masquées par son crâne. Donc c'est une bonne opportunité de communiquer ça, de communiquer sa position. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'écharpe. Elle aussi, je la fais dépasser hein, de mes lignes de construction. Tac. D'ailleurs, j'ai oublié de faire l'écharpe du nounours, du bonhomme de neige. Tac. Donc là, tout de suite, je vous rassure, la tête ne me plaît pas non plus. Si vous vous disiez, il est quand même bizarre. Oui. J'ai du mal à faire les oreilles pareilles l'une que l'autre. Ouais, bah c'est pour ça que ça aide de les faire vraiment de façon simplifiée. À la limite, si vraiment t'as du mal, tu fais juste un arc de cercle. J'allais dire comme le bonhomme de neige, mais non, le bonhomme de neige, on les a plus aplatis. Mais tu fais juste un arc de cercle, au moins, c'est une forme que t'arrives plus facilement à répéter. Ça peut aider. Après, franchement, si tu regardes, les miennes, elles sont pas du tout pareilles, mais parce que en fait, ça crée des inclinaisons différentes, donc c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elles aient à peu près quand même la même taille, parce que sinon, c'est là où ça peut être gênant. On pourra voir les sujets finis, mais de plus près avant de commencer la peinture. Oui, bien sûr, je peux te le montrer même tout de suite. Je vais le mettre pendant quelques secondes. Hop. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Voilà.
Tu expliques extrêmement bien. Oh bah merci, je suis ravie que ça vous paraisse bien clair. On pourra voir les suivants. Ah oui, ça j'ai déjà lu. Si je relis, ça va pas aller. Je suis d'accord, Cindy est une super prof, ses formations sont top. Merci beaucoup Katia, trop gentil. Et merci à Stella aussi. Ton défi gouache pastel est-il envisageable? Oui, absolument. C'est juste qu'en ce moment-là, du coup, je m'efforce de vraiment rester focus sur le troisième module de Serial Croquer, donc ma nouvelle formation qui sera dédiée au carnet de croquis. Et du coup, pour l'instant, là, c'est vraiment ma priorité. Donc, je pense que cette vidéo sera plutôt à envisager pour le mois de janvier, quand tout ça sera fini, parce que même si j'ai très envie de le faire avant. Croyez-moi, c'est juste que je ne peux pas me disperser parce que ce projet Serial Croquer va encore me demander vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, malheureusement, je dois mettre ça un petit peu de côté, mais je n'oublie pas, je n'oublie pas. Pour créer un fond de départ, l'utilisation de l'aquarelle est parfois utilisée. Peut-on avoir les mêmes effets avec l'utilisation du pan pastel, ainsi le choix du papier reste simple. Alors attends, je me remets juste en mode tac, voilà. Donc tu parles, Robert, tu parles d'un tableau au pastel, si j'ai bien compris. Je pense que tu faisais écho au défi gouache et pastel qui a été évoqué juste avant. Du coup, oui, absolument, le pan pastel est un très très bon, très très souvent utilisé pour les sous-couches. Moi-même, la plupart du temps, j'utilise les pan pastel en sous-couche. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va venir, et là encore, je ne suis pas sûre de pouvoir la publier avant l'année prochaine, mais j'ai filmé, mais c'est juste que le montage risque d'être extrêmement chronophage, mais j'ai fait un portrait 100% pan pastel. Je voulais voir si c'était possible et ce que ça donnerait. Donc je publierai ça dès que possible parce que c'est très 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 intéressant. Au final, je crois que j'aurai un chat à gauche, un ours au milieu et un hamster à droite. Alors si ton ours ressemble à un chat, essayons de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il est pas assez corpulent, peut-être qu'il y a un problème d'oreilles si tu les as fait trop triangulaires. Essaye de voir ce qui te donne l'impression de ce qui te donne l'impression d'un chat. La truffe aussi. Les ours ont une très grosse truffe. On n'insiste jamais assez sur la taille de la truffe. Allez, on va avancer un petit peu. Du coup, alors, comme je vous le disais, cette tête ne me convient pas. Donc, je vais la reprendre un petit peu. Et notamment au niveau du sommet du crâne, c'est très plat. Alors que sur le modèle, c'est plus tombant. On a plus de chaque côté du sommet du crâne, ça fait plus un triangle, on va dire. Donc là, vous voyez, je vais arrondir. Alors, du coup, mes oreilles vont se retrouver plus grandes que ce que je les ai fait. Mais c'est pas grave, c'est le but de l'esquisse, de toute façon, hein, d'effacer, de recommencer, de faire une construction et pas forcément du premier coup. Au milieu, là c'est très visible sur le modèle, on a ce creux qui se fait en plein milieu. Donc je vais le reproduire. Ça fait presque un cœur en fait, d'ailleurs. Bon, il ne faut pas non plus exagérer ce creux. Attention. Sinon, oui, on va se retrouver avec un nounours en forme de cœur. Ce qui peut être mignon aussi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je vois qu'en fait, l'oreille, elle démarre quasiment à la hauteur de l'œil. Et je pense que ça serait encore plus mignon. Oh, j'ai trouvé un moyen de rendre cet ours encore plus mignon. Donc, je prends la hauteur de la partie supérieure de l'œil. J'imagine qu'il y a une ligne, alors quand même parallèle à celle du crâne, hein, donc un petit peu oblique pour moi. Et je fais démarrer mon oreille ici. Et pareil là, du coup, elle va être un peu plus basse, celle-ci.
Elle est un peu trop fine. On va l'élargir. C'est déjà 15 heures. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en direct. Je n'ai même pas fini l'esquisse. Je crois que j'ai mis 20 minutes à faire, à faire la carte, la première. Ok. C'est carrément mieux avec les oreilles plus bas. Franchement, carrément mieux. Alors, je reviens un petit peu sur le chat. Toujours des petits sujets sympas pour des cartes de vœux. Je me souviens des bonhommes de neige grimpant sur un sapin. Oh, alors ça, c'était ma deuxième carte de vœux. La première, c'était un cerf qui avait les bois en forme de sapin. Ça, c'était quand j'ai découvert l'univers des cartes de vœux. C'était vraiment génial. Portrait au pan pastel, j'attends avec gourmandise. J'aime le côté velours du pastel. Ouais, ça c'est vraiment unique à ce médium. Il n'y a aucun autre médium qui est aussi velouté. Et c'est ça que j'avais trouvé fabuleux quand j'ai testé la sous-couche à l'aquarelle sur pastel mat. En fait, l'aquarelle a pris le velours du pastel mat et c'était mais impressionnant. Vraiment très très beau. Il faut lui faire des joujouflus. Mais oui, Monique, on va lui faire des joujouflus, ne t'en fais pas. C'est prévu. C'est impressionnant comme quelques millimètres changent tout le dessin. Absolument. Ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement difficile de faire un portrait humain qui ressemble au modèle. Mais si tu bouges l'œil d'un demi-millimètre, c'est plus la même personne. Et ça, c'est un truc que je pense que il faut vraiment, vraiment avoir le compas dans l'œil pour pouvoir faire un portrait ressemblant comme ça du premier coup. D'ailleurs, le portrait au pan pastel que j'ai filmé, je me suis basée sur une photo que j'ai trouvée sur Unsplash, mais alors, la personne que j'ai faite n'est absolument pas la personne dont j'ai pris le modèle. Mais après, voilà, moi, du moment que c'est cohérent, c'est pas grave, parce que je cherche pas, je vais pas lui offrir, c'est même pas quelqu'un que je connais, j'ai juste pris parce que je trouvais que la position et surtout la lumière étaient très intéressantes, ça me permettait vraiment de travailler en trois dimensions. Donc voilà, je privilégie la cohérence à la ressemblance. Il faut que je vous quitte, nous dit Isabelle. Eh bien, passe une bonne fin de journée, Isabelle, et merci beaucoup d'être passée. Où puis-je trouver la photo de l'ours levé? Alors, cette photo-là, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle oneoceanexpedition.com. Je sens bien que ça ne va pas t'aider. Alors, je vais vous mettre le lien direct vers la photo. Parce qu'on est d'accord qu'il est adorable. Un petit manchot serait mignon, mais oui, Sophie, je suis d'accord avec toi. C'est un reportage et ça donne des idées. Ah, carrément. C'est vrai. Une fois, j'avais fait un thème pingouin pour mon bullet journal et j'avais vraiment adoré. Ça aussi, c'est des animaux qui sont relativement faciles à simplifier. Disons que c'est pas les animaux les plus compliqués qui soient. Hein. Et du coup, ouais, je trouve que c'est très intéressant comme sujet. Après, voilà, j'aime bien leur trouver une petite activité rigolote, quelque chose qui soit original, comme là le bonhomme ourson, tu vois. Et c'est ça qui est difficile. Du coup, oui. Alors du coup, pareil. On va le faire joufflu aussi, comme nous le disait Monique à juste titre. Donc, je fais le petit creux de la tempe au niveau des yeux et ensuite l'arrondi de la joue. Dans le sud, on dit de la gout. Hop, ok. Eh ben, c'est pas mal. Ça y est, il est chou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve trop chou. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre son petit manteau pour qu'il soit toujours avec le style. Donc pareil, hein, je laisse le bout des papattes qui dépasse. Tomino vient de se servir un verre d'eau et m'a donné soif.
Il faut mettre ce verre hors de ma portée parce que j'ai aussi des verres d'eau pour mon aquarelle et que je suis tout à fait du genre à boire dans l'eau qui a servi à rincer mon pinceau. Donc j'ai pris cette habitude de toujours éloigner les verres pour éviter toute catastrophe. À mon avis, ce n'est pas très très bon. Et du coup, il nous manque plus que le reste du manteau et on pourra passer à l'ancrage. Donc, moi je lui ai fait un manteau arrondi là sur la partie inférieure. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours, j'ai regardé le film Miss Potter sur la vie de Béatrix Potter. Et que je l'ai regardé avec une amie. Et elle m'a dit, oh, tu devrais faire ces petits animaux un peu version Béatrix Potter. Et c'est vrai qu'elle faisait souvent ces petits manteaux parce que ben, c'était une autre époque. Hein. Et du coup, je trouve que ça leur donne un air un peu rétro, mais rétro élégant, que j'aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Tac. Après, si on veut, on peut rajouter des boutons sur le côté. C'est vrai que je ne l'avais pas fait, mais bon. Voilà, vous faites comme vous préférez pour ces petits personnages. Et ensuite, ce que j'ai fait pour cette carte postale-là, c'est que j'ai commencé par ancrer avec ce fameux stylo liner. Et ensuite seulement, j'ai peint. L'avantage, c'est que ça permet de repasser directement sur notre tracé qu'on veut conserver. On attend un petit peu que le papier ait le temps de bien absorber ce qu'il faut absorber et que l'encre sèche. Et ensuite, on peut gommer et au moins, on a un rendu qui est nickel. On peut venir mettre la peinture par-dessus et ça se passe bien. Par contre, évidemment, il faut que notre stylo à encre soit absolument résistant à l'eau. Donc, assurez-vous-en. Parce qu'il y a beaucoup de stylos qui ne le sont pas et qui, une fois que vous allez poser votre peinture par-dessus, vont baver partout et là, ça va être le drame. Donc, évitons, évitons. Pourrais-tu mettre le lien pour les autres photos? Alors, il y a une autre photo. Oui, tu as raison, j'aurais pu faire ça aussi. Tac. Comme je vous le disais, c'était sur le stock Adobe. Et bonsoir à Jean-Michel qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Tac. Alors, je remonte un petit peu dans vos questions pendant que vous rattrapez. Alors, une carte style boulette avec lettrage, dessin et mix média. Oui, je dis oui. Est-ce qu'un jour tu pourrais nous expliquer comment rechercher des modèles de paysages portraits sur Unsplash? Je n'arrive pas du tout à rechercher quelque chose. Mais en fait, la force d'Unsplash, et pour moi c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est que quand tu tapes ton mot-clé, par exemple, tu cherches le portrait d'une femme avec une lumière spécifique, tu vas taper portrait femme, admettons. Tu peux trouver dans les résultats des images qui ne te conviennent pas, mais tu sens que c'est le type de lumière que tu aimerais ou c'est le type de position que tu aimerais. Et en fait, quand tu cliques dessus, juste en dessous, il te met des images qui ressemblent. Et c'est comme ça que, moi, c'est vraiment comme ça que je fais. Du coup, je prends la première image qui me paraît à peu près bien, même si elle ne me convient pas tout à fait. Je clique dessus et après, je regarde dans les images qui sont en dessous. Et peut-être que je vais en trouver une qui me convient un peu plus, mais toujours pas tout à fait. Mais du coup, je vais cliquer sur celle-là, et là, ça va m'ouvrir d'autres images qui, cette fois-ci, ressemblent à cette nouvelle photo. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver mon bonheur sur Unsplash. Après, tu as aussi le cas où tu te dis, waouh, ce modèle est magnifique. Donc le modèle, je veux dire la personne. La personne a vraiment un visage qui m'inspire énormément, mais c'est pas l'attitude qui me convient, elle a pas le bon angle, ou alors elle a un accessoire qui cache une partie de son visage. Bah dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que je clique sur le pseudo du photographe parce que très souvent, ils font pas juste une photo de leur modèle, ils vont faire une série de photos. Et du coup, en cliquant sur le photographe, si avec un peu de chance, c'est pas le genre de photographe qui a publié 20 000 photos, et ben tu peux quand même retrouver la séance photo en question, et là tu peux voir toutes les photos du modèle, et ça aide aussi beaucoup.
Voilà pour ces petits tips sur Unsplash. Ok, on va pouvoir passer à l'ancrage. Oui, Tominou, tu as raison. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. On passe à l'ancrage. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai ce stylo. C'est un Staedtler. Il y en a plein d'autres qui font exactement la même chose, hein, qui sont waterproof, qui sont suffisamment fins. Donc, il y a le numéro qui est écrit normalement sur le stylo. Plus c'est proche de 0, plus c'est fin. Donc, moi c'est un 02. Et du coup, je vais vous mettre peut-être le modèle. Hein. C'est ça. C'est ça ou pas? Oui, c'est bon. Ok, je vous ai remis la petite carte. Donc, c'est parti. Du coup, là, on va juste repasser par-dessus directement le graphite. Je vais enlever cette palette parce qu'elle me gêne. Et c'est parti. C'est aussi l'occasion de corriger un peu si jamais il y a des petites choses. Par exemple, cette oreille, je préfère la faire comme ça. Et alors, autant avec mon crayon, j'ai tendance à faire plein de petits traits comme ça pour pouvoir avoir plusieurs traits pour choisir en fait. Autant là, avec le stylo, en général, j'essaie d'avoir un rendu plus lisse. Sauf si je suis en train de faire un animal très touffu, auquel cas, oui, d'accord, là, je vais faire des petits traits. Mais là, vu qu'ils sont pas spécialement échevelés, ces nounours. Je vais faire juste au niveau de l'oreille, je ne vais pas faire toute la ligne de l'intérieur de l'oreille, juste la partie supérieure du crâne qui passe un tout petit peu par-dessus. Et je vais faire pareil pour le... Je vais faire, j'ai pas fini ma phrase, je vais faire pareil pour la partie inférieure. Ensuite, peut-être que mes gros doigts vous empêchent de voir, je suis désolée, mais le problème c'est que c'est un travail de précision. Le contour du museau, je ne le fais pas à l'encre, je le ferai à l'aquarelle pour un peu plus de douceur. Idem pour l'intérieur de la truffe. Je le ferai à l'aquarelle, pardon. On sent que je suis concentrée parce que du coup, je ne finis plus mes phrases. Peux-tu nous donner le modèle de stylo? Oui, je crois que je l'ai mis dans la description de la vidéo. Normalement, tu as même un lien pour cliquer dessus. Oui, je me souviens que je l'ai mis. Je n'arrive pas à voir le petit pouce pour cliquer dessus. Oh non! Depuis quelques temps, j'utilise en fait sépia au lieu du noir. Et... Ah oui, mais ça, t'as trop raison, Katia. Moi aussi, j'adore le sépia. Et même le crayon de couleur aussi. Ça rend trop bien. Et tu peux choisir du coup parmi plein, plein, plein de couleurs. Et c'est trop cool. Donc faites bien attention à ne pas vous tromper de trait que vous ancrez. Parce que là, pour le coup, vous ne pourrez plus gommer. Les doigts de Cindy sont toujours moins gros que les miens. Ouais. Je sais pas si t'as spécialement des gros doigts, Tominou. Alors là, vous voyez la manche, je l'avais faite venir jusqu'au dos. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Donc je vais la couper un peu avant. La faire venir comme ça seulement. Voilà. Oh bah zut, moi qui m'avais fait une belle petite vague pour donner toute la volupté de ce manteau, j'ai repassé dessus avec une ligne droite. Tant pis. On va donner de la volupté à l'autre manche. Voilà. As-tu une astuce pour rattraper un stylo encreur qui a séché? La semelle de chaussure. C'est le seul truc que je connais. Et aussi, à un moment, j'avais un stylo doré à gel. Et en fait, il ne voulait marcher que quand je le dévissais
et que je soufflais dans le réservoir d'encre. Et là, il marchait pendant 5 secondes et après, il s'arrêtait. Insupportable. Mais j'ai jamais réussi à le faire. Et je ne m'explique pas parce que je me dis, s'il marche pendant 5 secondes, c'est que ce qui était séché a réussi à passer. Mais non, parce que juste après, il se rebouchait. Alors, je sais pas trop. Toujours embêté avec ces stylos à gel et pourtant, ils sont tellement pratiques que je ne peux quand même pas m'en passer. Alors, regardez. Là, j'avais fait, en fait, au niveau de la patte arrière, au lieu de faire une ligne droite, j'avais fait des petites vagues pour faire comme s'il avait des petits orteils. C'est mignon aussi. Comme vous préférez. Est-ce que je lui fais des orteils? Comment est mon modèle? Mon modèle n'a absolument aucun orteil car c'est un vrai ours et que les ours n'en ont pas. Écoutez. Je vais quand même lui en faire. Je lui fais des petites pattes de canard. Voilà. On va essayer de faire en sorte que ces boutons aient la même taille, tous les trois. Peut-on faire les traits après à l'aquarelle? Oui, tu peux, bien sûr. C'est juste que comme je le disais, en fait, je trouve que c'est plus simple parce qu'après, tu peux gommer un bon coup et tu n'as plus que le bon tracé. Mais si tu n'as pas de stylo waterproof, absolument, il vaut mieux dans ce cas-là essayer d'enlever un maximum de lignes de construction parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, une fois qu'il y a la peinture, ça se gomme plus difficilement. Donc, faut que tu enlèves un maximum de lignes et tu fais ta peinture et après, bah, tu essayes de gommer. Bon, pareil pour la papatte avant, hein, je fais des petites vagues comme si on voyait ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'allais dire ces phalanges, c'est pas les phalanges. Comment ça s'appelle, Tomino, dis-moi? Je me rappelle plus. Je crois qu'en anglais, c'est knuckle. Et en français, je ne sais plus. Peut-on passer les crayons noirs après avoir peint? Oui, voilà. Ok, continuons. Il ne me reste plus que une papatte. Voilà, j'ai refait des petites vaguelettes. Je vais refaire ces coussinets. Et bien sûr, son écharpe. Écharpe, là encore, qui fait une vague. Je vais le laisser reposer et passer à notre dernier ours, que j'ai très hâte de voir sans ses lignes de construction. On peut utiliser un crayon aquarelle aussi pour le crayonnage. Si la couleur est assez claire, on ne le voit plus après avoir mis l'aquarelle dessus. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que la couleur soit claire. Ou du moins qu'elle soit proche de ton sujet. Et comme les ours vont être très clairs, normalement, si vous grattez assez bien, enfin, je dis gratter, mais si vous insistez assez bien avec le pinceau, ça pose pas trop de soucis. Après, c'est sûr que c'est moins simple à gommer. En fait, tu peux pas vraiment le gommer, c'est avec l'eau que ça va s'effacer. Intéressant ce stylo, jolie carte. Merci à toi Agnès, je viens de vous rejoindre. Je cherche un moyen de faire les détails sur les buildings. Alors si tu n'aimes pas trop travailler avec des pinceaux super fins, que tu cherches un moyen efficace pour faire des détails très fins à la peinture à l'huile, il existe des... Comment t'appelles ça? Des marques ou des feutres, mais avec toutes sortes de diamètres de pointe qui sont en fait remplis de peinture à l'huile. Donc faut que ta couleur corresponde, hein, parce que là pour le coup tu peux pas trop mélanger. Mais c'est très pratique justement pour les détails très fins. Je sais qu'il y a des artistes qui s'en servent et je les comprends. Sinon, un bon vieux pinceau très très fin et pour bien les utiliser. Il faut que tu aies vraiment la bonne consistance.
De ta peinture, désolée, j'ai bugué, ce n'était pas un lag de la vidéo, c'était juste moi. Ok, alors on va faire. J'ai oublié d'ancrer le bonhomme de neige en fait. J'adore sa tête, je suis trop contente. Céréales croqueurs, plutôt gouache ou aquarelle? Alors, céréales croqueurs, c'est plutôt tout, en fait. C'est vraiment une formation qui est très, très, très différente des autres parce que le but n'est pas de refaire ce que je fais, mais de vraiment faire vos propres croquis. Donc, il y aura plein de démos, mais elles sont là pour vraiment vous montrer une façon de procéder. Et après, vous allez faire les exercices, mais avec les sujets qui sont chez vous. Et pour moi, c'est vraiment ça le but, c'est de vous donner ce déclic, d'avoir vos propres inspirations, d'utiliser votre propre matériel. Il n'y a pas de liste de matériel pour cette formation-là, parce que le but, c'est que vous utilisiez ce qu'il y a à votre disposition. Et ça peut même être du stylo bille, ça peut être des surligneurs, ça peut être tout ce qui traîne chez vous et qui vous permet de faire des marques sur le papier. Et voilà, c'était un concept qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et je trouve qu'on a, pour beaucoup, moi incluse, hein, beaucoup de matériel dont on a fait l'acquisition, parce qu'à un moment, on s'était dit que ça allait être chouette, et puis peut-être qu'on a un peu oublié l'existence de ce matériel. Et le carnet de croquis, c'est vraiment le truc idéal justement pour sortir ça de nos tiroirs et les utiliser. Plutôt que d'aller racheter encore du nouveau matériel alors qu'on en a déjà plein. Donc idem pour les pattes, là, les deux pattes arrière sur lesquelles il est posé. On les a simplifiées avec un demi-cercle, ça fonctionne très bien, mais n'hésitez pas à le faire un petit peu des petites bosses pour que ce soit un peu plus tridimensionnel. Et aussi la ligne là, la ligne horizontale, c'est bien aussi de la faire légèrement en arc de cercle vers le bas, comme ça. Toujours pour la tridimensionnalité, parce que la pâte, elle n'est pas plate, elle fait vraiment bah, comme nous, hein, elle fait un cercle. J'ai essayé, mais le stylo finit toujours par sécher. Que penses-tu de l'encre de Chine? Je tenais à avoir ton avis. Qu'est-ce que tu as essayé que le stylo finit toujours par sécher? Tu parles de ça? Parce que moi, ça, pour le coup, il n'a jamais séché. J'en ai que j'ai dans mes tiroirs depuis des années et des années. Ça ne sèche pas. Les stylos à gel sèchent, mais alors ceux-là, sans problème, ils restent tels quels. Par contre, je pense que c'est vraiment important de les stocker à plat. Parce que ça évite à l'encre de s'agglomérer d'un côté ou de l'autre du stylo. Tominou ne manquait pas de matériel, ben oui. Tu auras l'embarras du choix, Tominou, pour faire la formation d'ailleurs. Que vas-tu faire? Moi, je pense qu'il va nous faire plein de choses à l'aquarelle parce que je sais que c'est son petit péché mignon. As-tu l'idée de faire dans tes prochaines années des modules de cours avec les médiums déjà faits, mais niveau avancé? Oui, absolument, Stella. C'est d'ailleurs normalement l'année prochaine, ça sera l'aquarelle. On revient à notre première formation. Et je pense que ce sera une formation à thème en fait. Donc ce sera axé sur soit les paysages, soit les fleurs. Moi je pense que les gens attendent surtout paysages à l'aquarelle. C'est mon pari, mais je ferai passer un sondage de toute façon. Alors, je vais passer au bonhomme de neige que j'ai oublié. Isabelle nous dit, c'est grâce à toi que je me suis mise à l'aquarelle. Eh bien, écoute, j'en suis ravie et très honorée. C'est une super technique.
J'en profite pour corriger un petit peu le placement des yeux. C'est quelle marque? C'est un Staedtler celui-là, mais vraiment, alors ça pour le coup j'en ai testé plusieurs. Parce qu'il y a aussi Faber-Castell qui en fait, et il y a un truc genre Sakura, je crois. Et pour moi, c'est tous les mêmes. J'ai jamais trop vu les différences. Et là, l'épaisseur du mien, c'est un 0,2, si vous vous demandez. Mais pour cette carte-là, vu qu'elle est beaucoup plus petite, enfin, elle est quand même plus petite, on peut voir la différence de taille des personnages, j'avais pris un 0,05 qui est, à ma connaissance, le plus fin de tous les liners de la planète. Et typiquement, oui, le 0,05, il est très pratique pour les tout petits formats. Mon ours debout a une tête de poussin. Et ben, je suis sûre qu'il est très mignon. Parce que les ours, c'est très mignon. Les poussins aussi. Donc je pense que le combo des deux doit être redoutablement mignon. On y est. J'ai tout ancré. Je vous laisse terminer. Hop. Pendant ce temps, j'attends un petit peu. Alors celui-là, il doit être sec. Donc, je suis désolée, ça va faire bouger certainement l'image parce que je vais gommer. Je vais essayer de pas trop exagérer dans les gestes. Unpin font des 0,03. Waouh! Ah ouais, donc le 0,5 n'est pas le plus fin de la planète. Mon Dieu. Mais déjà, le 0,5 est assez incroyablement fin. Ah oui, l'encre de Chine. Oui, il existe des stylos, mais d'ailleurs, c'est pas de l'encre de Chine là-dedans? Ah non, pigment liner. Parce que je sais qu'il y en a. Ah, qu'est-ce que j'avais à l'encre de Chine? J'avais un stylo à l'encre de Chine. Et c'est très bien parce que ça aussi, c'est résistant à l'eau. Donc, pas de souci. Pas de soucis. C'est pour quand le début de la formation Sketch? C'est pour. Alors, la formation sera disponible à l'achat mi-décembre. J'ai oublié d'ancrer les griffes. Et elle commencera le premier lundi de janvier. D'habitude, on fait ça et c'est vrai que c'est cool. Comme ça laisse passer les fêtes. On a le temps de digérer un peu toute cette nourriture. Et après, on peut commencer l'année sur de bonnes bases avec un petit programme créatif. Et ça, c'est très chouette. J'ai effacé le tour du museau au crayon pour qu'il ne se voit pas. Mais en fait, vous ne le voyez sûrement pas parce que bon, la caméra, ça efface un peu les tracés. Mais je devine encore un petit peu là où il est. Et du coup, je vais m'en servir de cette marque pour mon aquarelle. Tommy nous dit, moi on veut de l'encre de France, pas de l'encre de Chine. On ne t'entend plus? C'est vrai? Vous m'entendez plus? Si, normalement mon micro marche. Est-ce que d'autres personnes ne m'entendent plus? Dites-moi. On t'entend. Dans ce cas, merci pour vos réponses. Comment s'appelle le site où il y a les images, puis dessous les autres modèles? Ça, c'est Unsplash avec un U, je te l'écris. Splash, comme ça. Tu as aussi Pixabay, comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix sur Unsplash. Du moins, je trouve que les photos Unsplash sont souvent beaucoup plus pertinentes. Après, tu as aussi certaines photos qui sont dispo mais payantes. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire de ta création, quoi. Si c'est pour t'entraîner dans ton carnet de croquis, tu peux prendre les photos payantes comme modèle, hein. Il y a juste un copyright dessus, mais bon, ça t'empêche pas de voir. Par contre, effectivement,
tu n'es pas censé vendre ta création derrière. Alors. Eh ben, ça me paraît pas mal. Unsplash, c'est libre de droit, oui, sauf celles qui sont notées e-stock ou un truc comme ça. Mais de toute façon, tu les vois parce que si elles sont pas libres de droit, en fait, quand tu cliques dessus, tu as plein de petits filigranes stock image qui te dit en gros, voilà. Si tu vois le filigrane, ça veut dire que tu es censé payer pour l'utiliser. J'ai trouvé chez un bouquiniste une série d'encyclopédies à l'aquarelle trop belle et inspirante. Oh, bah c'est cool ça! Après, c'est vrai que c'est très chouette aussi quand tu trouves des jolis modèles de copier pour apprendre, tu vois, pour voir comment l'artiste a traité certains sujets. Ça, c'est très riche d'enseignements, c'est très bien. Par contre, le truc évidemment à ne pas faire, c'est copier une aquarelle et la mettre sur les réseaux sociaux en disant ma dernière aquarelle. Non, tu dois dire ma dernière aquarelle inspirée de l'aquarelle de un tel et même normalement, t'es censé demander la permission à l'artiste, mais bon. Déjà, il n'est pas toujours parmi nous et il n'est pas toujours facilement joignable. Donc voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, nous allons pouvoir passer à la mise en couleur. Dites-moi où vous en êtes, si je peux commencer, si vous préférez que j'attende un petit peu. Ça, j'attends votre signal. Et après, on pourra mettre en couleur ces nounours. Et j'avais commencé par le fond, il me semble. J'avais commencé par le fond? Je ne sais plus. Si, j'avais dû commencer par le fond. Prête pour la couleur. Ok. Bon, et ben on va commencer par le fond. Alors j'ai pas scotché mon papier, donc j'espère qu'il va pas trop gondoler. On va voir. J'avais fait ce fond. Est-ce que je l'avais fait dans l'humide? Je sais même plus. Déjà, il me faut un pinceau un peu plus gros. Genre ça. Bon, comme c'est du cellulose, je ne vais pas non plus l'inonder. Ah, j'avais commencé par les personnages. Ça me revient maintenant. Bon, de toute façon, les deux sont tout à fait possibles, hein. Donc là, j'ai juste réveillé un petit peu ma palette avec un petit vaporisateur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi mettre des gouttes d'eau, hein, vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous faites tomber des gouttes au-dessus. Et du coup, y a des gens qui disent, je t'entends, je pense qu'en fait, vous regardez le direct un peu décalé. C'est pas grave. Merci pour ce direct, c'est sympa et ça nous manquait. Et ben moi aussi, ça me fait très plaisir, Agnès. Faisons les personnages. Ok. Alors, les personnages. J'avais commencé par le bonhomme de neige et j'avais pris une couleur que je pense j'ai oublié de lister dans la petite liste que je vous avais envoyée par mail. C'était le céruléen. Donc c'est du bleu. Et vous voyez, c'est un bleu un peu ciel comme ça. Et en fait, j'avais commencé par mouiller à l'eau claire la tête. C'est là où, effectivement, il faut que le stylo soit bien sec. Hein. Sinon, eh bien, il va baver partout. Et j'avais ensuite pris ce bleu. Alors, si vous n'avez pas de céruléum, vous pouvez prendre de l'outremer. Mais c'est juste que pour la neige, ça me paraissait un peu plus judicieux. Et on va imaginer une source lumineuse. Donc la mienne, elle vient du haut et de la droite. Du coup, l'ombre,
de cette sphère, qu'est la boule de neige, va se trouver plutôt sur la gauche et vers le bas. J'ai perdu un poil de pinceau dans la bataille. Et je n'oublie pas qu'il y avait cette boule de neige supplémentaire formant le museau. Du coup, là je nettoie mon pinceau sur un chiffon qui est tout sauf propre. Et je viens absorber la peinture bleue qui est venue se loger au niveau de la bouche. Je veux qu'elle reste plutôt, pour le moment du moins, au niveau du cou, autour de ce museau. Voilà. Hop, là je vais venir déplacer un petit peu les pigments jusqu'à la bordure. Ça c'est un pinceau Staedtler qui, j'ai l'impression qu'il perd ses poils les uns après les autres. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Et bonne journée à Sophie qui nous quitte. Passe une très bonne fin de journée et bonne journée aussi à Dislight. Il y aura bien entendu le replay. Alors, est-ce que j'avais mouiller les oreilles. Non, je n'avais pas mouillé les oreilles, donc il est encore temps de le faire. Donc faites attention avec le bleu, surtout si vous utilisez de l'outremer, et méfiez-vous parce qu'il a tendance à être très foncé. Et là, on veut quand même quelque chose qui soit assez discret. Je vais faire la même chose sur le corps. Mouiller toute la zone, sauf l'écharpe. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme aquarelle? Ça doit être le Ceruleum de Isaro. Mais en fait, la palette que vous voyez normalement, la palette que vous voyez, c'est une palette que j'ai achetée qui était vide. Et j'ai versé mes tubes dedans pour pouvoir vraiment avoir les couleurs que je voulais. Parce que j'ai plusieurs marques et en fait, il y a des couleurs que j'aime bien, mais qui sont dans différentes marques. Par exemple, j'adore l'outremer de Daniel Smith, mais j'adore le turquoise de Schmink, donc ça m'a permis de me faire une palette vraiment sur mesure. Et ça, je l'ai trouvé sur Amazon, la palette vide. Ça s'appelle Meden, Meeden. Mais si ça t'intéresse, regarde sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Vidéo pour débuter l'aquarelle. Et dans cette playlist se trouve une vidéo qui s'appelle Couleurs pour débuter l'aquarelle. Et je présente cette palette et je présente chaque couleur qui compose cette palette. Donc comme ça, tu pourras, si tu as envie de te faire la même que moi, d'avoir tout pareil, tu pourras. Alors, voilà donc pour ce premier jet de mon bonhomme de neige. Et je vais passer à cet ours-là, en attendant qu'il soit sec. Alors, les ours, on sait qu'ils sont blancs, mais vraiment, si on regarde des photos d'ours polaires, ils sont pas vraiment blancs. Ils ont toujours une couleur un peu jaunâtre. Donc,
On va pas utiliser du jaune non plus, parce que le problème, c'est que quand on va venir rajouter nos ombres, comme les ombres vont contenir du bleu, si on met du jaune, on va avoir du vert. Donc c'est à éviter, puisque bien sûr, jaune et bleu fait vert. Pour éviter ça, mais quand même avoir une teinte jaune, je vais utiliser de l'ocre jaune, qui est un jaune beaucoup plus désaturé, beaucoup plus terre, et donc il va beaucoup moins facilement verdir. Pour mettre cet ocre jaune, j'insiste très 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 lourdement sur le fait qu'il faut avoir la main très 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 légère, parce que clairement le but n'est pas avoir d'un ours, n'est pas d'avoir un ours ocre, mais bien un ours blanc très légèrement teinté d'ocre. Donc il va falloir faire attention. Je découvre ta chaîne, me dit Colofab. Eh bien, bienvenue à toi. Je suis ravie que tu découvres cette chaîne. Je me suis mis un peu à l'aquarelle et j'ai aussi une chaîne YouTube. Eh bien, bonne chance à toi. Donc, je remets de l'eau sur mon deuxième nounours et j'ai juste évité la truffe qui n'a pas spécialement d'intérêt à être humidifiée. Même si tout le monde sait que une truffe humide est un signe de bonne santé. Et ensuite, je vais appliquer mon ocre. Donc là, j'en ai prélevé sur mon pinceau. Erreur si j'applique directement la peinture sur le nounours, parce qu'elle risque d'être beaucoup trop concentrée. Donc d'abord, je viens la travailler un petit peu là, histoire en fait de bien la mélanger avec l'eau qui est contenue dans mon pinceau pour qu'elle soit beaucoup plus discrète et que elle, voilà. Qu'elle ne colore pas énormément, énormément l'ours. Alors là, pour le coup, je vais le colorer entièrement en ocre et je viendrai faire mes ombres par-dessus. Et pour les ombres, je vais faire un mélange qui est très connu, qui est celui du bleu outremer avec le terre de sienne brûlé. Et plus vous mettez de terre de sienne brûlée, plus vous allez pencher sur le marron. Donc l'idée, c'est de s'arrêter avant que ce soit marron. Caribou de la Vega nous a rejoint. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Mes chats m'ont réveillé à l'heure. Oh, ça, ce sont de bons matous. C'est très bien. Heureusement qu'ils ne t'ont pas réveillé non plus trop tôt. Pas comme un certain Dexter qui empêche certaines personnes de dormir la nuit, n'est-ce pas? En venant se coller à eux et en ronronnant. Alors, j'ai peut-être un peu exagéré sur ce gris. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau. Et que faire quand on a exagéré sur le gris? Eh bien, en fait, on va déjà le rincer pour arrêter de rajouter du gris, parce que clairement, on n'en a pas besoin. Et une fois qu'il est rincé, propre, essoré, on va venir déplacer ces pigments gris pour les mettre un petit peu plus loin. Et ainsi, débarrasser les zones trop grises de cette saturation. Et là, je vais à nouveau rincer mon pinceau, à nouveau l'essuyer sur mon chiffon que vous ne voyez pas. Et lorsqu'il est à peu près sec, je viens faire le tour de la truffe pour faire apparaître un petit peu le museau. Donc là maintenant, je manque un peu de gris. Voilà. Donc les ombres, je les place toujours par rapport à cette source de lumière imaginaire. J'en mets un peu autour des yeux. Alors, il faut faire attention parce que c'est bien d'ombrer un peu le contour des yeux, toujours dans l'idée d'humaniser un peu l'animal, parce que nous, on a vraiment cette arcade sourcilière qui est proéminente, et là, on a l'os de la pommette qui est un peu aussi saillant, plus ou moins selon les personnes, mais du coup, ça crée une ombre vraiment là, tout autour de l'œil. Et donc, ça aide en fait pour le côté humanisation de l'animal, mais si vous mettez un gris trop foncé, vous allez avoir
un panda, mais qu'en plus c'est un ours. Donc oui, il faut faire attention à ne pas avoir un nounours panda. Oh, je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Je vais boire un peu. Et bonne journée à Catherine et Agnès. Enfin, bonne fin de journée. Et à Jacqueline aussi. Il était quand même 5h du matin. Oh, c'est vrai qu'être réveillé à 5h du matin par son chat, ce n'est pas forcément la chose la plus agréable. Mais bon, ce sont nos chats et nous les aimons malgré tout. Là, j'ai mis un petit peu de peinture ici, dans l'ouverture du manteau, et je le fais en gris, étant donné que, eh bien, c'est dans l'ombre, parce qu'il y a les pans du manteau qui viennent projeter de l'ombre, donc même c'est une ombre qui est censée être quand même assez foncée. On peut rajouter un peu de pigment comme ça. Tac. Peux-tu rappeler le mélange? Oui, bien sûr, c'est du terre de Sienne brûlée plus outre-mer. Ne te trompe pas de verre, me dit Manique. Tu as bien raison. Heureusement, je ne me suis pas trompée. Bonne fin de journée à Béatrice qui regardera le replay. Eh bien, écoute, pas de problème. Alors, il faut bien aller jusqu'à l'écharpe. Je vois qu'il est presque 16h, que je n'ai pas du tout fini. Je pense qu'on est là jusqu'au bout de la nuit. Allez, je continue, je continue. Là, je vais remettre un peu d'ocre jaune. Pas mal dilué. Comment vous vous en sortez avec la mise en couleur? Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à être quand même assez... assez... Me manque le mot. Léger, ça ira bien dans les couleurs. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé avec un ours jaune et noir ou avec un panda? Auquel cas, vous pourriez toujours décréter qu'il s'agit de petits pandas de Noël. Ça fonctionne aussi. J'accélère un peu en mettant mon ocre directement hop, sur les papattes. Ce sont de petites zones. Voilà. Ça devrait pas poser de problème. Et là, je viens rajouter mon gris. J'ai hâte de voir comment tu vas faire le fond, parce que je galère toujours et je le fais en dernier. Ah, quand je le fais en dernier. Moi, j'ai pas de différence particulière à le faire avant ou après, sincèrement. D'ailleurs, t'étais peut-être pas là quand j'hésitais et que j'ai dit oui, je vais commencer par le fond. Non, en fait, je vais commencer par les sujets. Finalement, je vais commencer par le fond. Non, je vais commencer par les sujets. Je ne sais pas, voilà, je ne sais plus. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, c'est vrai que je l'ai fait sur un petit format, tu vois, comme ça. Et donc, il n'y a pas de problème de trait de pinceau parce que c'est tellement petit que tu fais tout en une fois. Je crois que j'ai même pas mouillé le fond pour avoir un rendu doux. J'ai juste fait directement comme ça. Et ça s'est très bien passé. Mais là, il y a un peu plus d'espace et j'ai pas scotché. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Nous allons le découvrir. Je vais passer à notre dernier petit ourson. Et pareil, je vais faire. Alors, si vous préférez mouiller d'abord à l'eau claire, après venir mettre la couleur, faites comme vous préférez. Maintenant, moi, je vais. Alors, il faut juste éviter le. Si vous faites des grands yeux comme moi, essayez d'éviter de faire l'intérieur des yeux. Donc, typiquement là. Tac. Tac, je fais autour. Vous voyez, je laisse cet espace-là. Sur papier sec. Oui, sur papier sec. C'est ce que je disais pour le fond, j'avais fait direct sur papier sec. Mais bon. Disons que si je le mouille d'abord à l'eau claire, à mon avis, vu que c'est du cellulose, déjà il va vite sécher et en plus il va se mettre à gondoler.
Alors je me dis peut-être que si je suis assez rapide, je peux le faire directement sur papier sec, mais si vous préférez faire sur papier mouillé, n'hésitez surtout pas. En fait, ce qui vous met le plus à l'aise, parce que c'est pas le but que ce soit un truc plus stressant qu'autre chose. Les ours blancs sont des ours dorés, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors là, je me suis précipitée, en fait, j'ai complètement oublié de mettre les ombres sur la tête de mon ours. Mais de toute façon, j'avais mis un peu trop d'eau, donc c'est pas grave. Là, je fais tout en ocre, sauf le manteau. Donc je vais reprendre, et vous voyez, j'ai même pas rincé mon pinceau. Il contenait de l'ocre. Et ben ça va donner une chaleur un petit peu à mon gris, donc c'est pas grave. Du coup, comme je vous le disais, un peu d'ombre au niveau des yeux, ça fait pas de mal. Et là. Et après, on va redéfinir aussi les petits museaux, hein. Là, pour l'instant, il est très plat. Il n'a pas de museau. Mais ça, je vais le faire sur papier sec. Ouh. Je suis venue mettre mon gris entre les pans du manteau, mais j'ai l'impression qu'il avait commencé à sécher. Alors, il n'est pas impossible que je me retrouve avec des auréoles. J'ai envie de vous dire, sur cellulose, c'est un peu le jeu. On verra. On verra, on verra. Donc, où est-ce qu'il en est, mon premier pépère, là? La mise en couleur est très sympa. Eh bien, je suis ravie que ça te plaise, Mimi. Et bonjour à Égile qui nous rejoint. Stella me dit, pour ma part, je ne fais pas le projet en même temps que toi, je me réserve cela en replay. Du coup, tu nous regardes, ça va? Tu t'ennuies pas trop, Stella? Ça doit être long quand même. En plus, j'arrête pas de m'arrêter pour répondre à vos questions. Et pour vous laisser aussi la possibilité de peindre. Oh, Cécile, hello, comment vas-tu? Je suis ravie que tu puisses assister à une partie de ce direct. Et bonne fin de journée à Katia. Et bonne fin de journée à Claude. Ok, alors lui, je crois qu'il est encore un peu humide. Du coup, je vais le laisser finir de sécher gentiment. Et en attendant, je vais faire son manteau. Donc, comme vous pouvez le voir là-haut, il est plutôt dans des tons d'ocre. Donc en fait, j'ai utilisé l'ocre jaune pour les parties lumineuses et ensuite je suis venue ombrer avec du terre d'ombre brûlé. Et bonjour à Alexandra qui nous rejoint et qui cuisine en m'écoutant. Qu'est-ce que tu cuisines, Alexandra? Dis-nous tout. Donne-nous faim. Moi, ça fait quelques jours que j'essaie de me motiver parce que j'ai plein d'œufs. Parce que notre poule tulipe pond tous les jours. Et du coup, je vais faire des mousses au chocolat. Je trouve pas long du tout de voir comment tu te débrouilles et très bien. À part de ça, je fais d'autres choses en même temps. Dans ce cas, ça va. Allez, je vais faire mon manteau. Donc, je vais procéder un peu comme je l'ai fait pour lui. C'est-à-dire que je vais d'abord tout faire en ocre jaune, et ensuite dans l'humide, je vais venir rajouter l'ombre brûlée. Et là encore, plutôt que de mouiller d'abord à l'eau claire, puisque je vais tout faire de toute façon en ocre jaune, je vais directement le faire avec mon pinceau. Juste, je réfléchis si je fais les boutons plus clairs ou plus foncés. Je pense que je vais les faire plus foncés, donc je vais repasser par-dessus les boutons. Et là, contrairement à l'ocre que nous avons appliqué sur la fourrure des ours, celui-ci peut être beaucoup plus pigmenté puisque là il s'agit du manteau, donc on veut vraiment qu'il ait un peu de peps parce que les ours ils sont blancs, donc il n'y a que
Le bonhomme de neige, il est blanc aussi. Il y a vraiment que le fond qui va apporter du contraste. Donc, c'est bien si les vêtements aussi sont contrastants. Ça rajoute de la couleur parce que bon, c'est Noël. On veut que ce soit coloré, on veut que ce soit joyeux. Donc voilà. Du coup. Il a encore perdu son poil, ce pinceau. Je vais finir ce live, il lui restera trois poils avant d'en perdre. C'est hyper frustrant en plus parce que du coup on est obligé d'aller le repêcher. Prendre un petit pinceau etcheur pour aller repêcher mon poil. Allez. Il veut pas. Je suis à peu près sûre que si je l'enlève pas, il va laisser une trace. On va essayer de le pousser sur la bordure pour qu'au moins. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Yes, ok. Bon, maintenant, du coup, je vais pouvoir ajouter mes ombres avec de l'ombre brûlée. Là encore, je n'ai pas rincé mon pinceau parce que de toute façon, il va se mélanger à l'ocre jaune, hein. Tac, tac, tac. Et je viens en faire là, je viens en mettre sous la manche. C'est là où l'ombre sera la plus marquée. Par contre, après, il ne faut pas qu'elle soit aussi marquée que ça. Hein. Donc, hop, vous voyez, j'ai fait comme tout à l'heure avec mon ocre jaune, c'est-à-dire que je mélange bien pour que ça se mêle à l'eau qui est contenue dans le pinceau et que ce soit moins intense. Et là, je vais pouvoir. Oh, c'est pas vrai! Oh, je vais changer de pinceau parce que lui, c'est pas un cadeau. Donc là, je pousse un petit peu les pigments, j'essaye de les faire aller là où je veux. Tant que c'est humide, bah, c'est vraiment le but du jeu. Et ce que je peux faire aussi pour encore plus. Harmoniser ce rendu, c'est venir rajouter de l'ocre très concentré ici là sur la transition. Comme ça, il va se mélanger avec l'ombre brûlée et me faire un marron encore plus entre les deux et donc on aura une meilleure harmonie. Va voir comment ça va sécher. Alors, je fais des aiguillettes végétales améliorées avec du riz à la cocotte. Waouh, ça a l'air hyper sophistiqué, dis donc. Je suis très curieuse de savoir de quoi elles sont composées. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a autre chose que du riz. Comment tu fais des aiguillettes? Est-ce que tu fais des aiguillettes de riz? Ou est-ce que tu fais des aiguillettes composé d'autres choses et que tu accompagnes de riz. J'avoue que mes connaissances en la matière sont extrêmement inexistantes. Des muffins au chocolat, nous dit Stella. Je valide ce choix. Tu peux congeler tes œufs crus dans des palettes pour l'eau, pour des cavités de glaçons. Et quand tu fais une recette, tu as des quantités séparées, etc. C'est vrai que c'est une super bonne astuce. Bien vu. Ok, je vais passer à la deuxième moitié de ce manteau. Alors. Donc j'ai dit que j'allais faire les boutons plus foncés que l'ocre. Si j'avais voulu les faire en blanc, eh bien. J'aurais dû les contourner. Mais là, je vais les faire, je pense, en ombre brûlée, donc je n'ai pas besoin de m'embêter. Je ferai la mise en couleur en replay, nous dit Daniel qui tricote. Mais je t'en prie, très cher Daniel. Et bon tricot à toi. Ok, je vais donc refaire comme tout à l'heure.
Et aussi, ce que j'aime bien faire, là j'ai pris un pinceau plus fin qui a été légèrement humidifié et essoré pour qu'il puisse retirer un peu de peinture. Et vous voyez, j'ai retiré une partie sur la bordure de la manche ici. Pour bien séparer le manteau qui passe dessous et la manche. Des aiguillettes apivores. Ah, d'accord. Du coup, c'est un truc qui est déjà préparé, mais que je ne connais absolument pas. Du coup, je ne sais pas quelle est la composition de ces mystérieuses aiguillettes. Il manque encore des pouces levés. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christine. Et merci à tous ceux qui ont cliqué ou qui s'apprêtent à cliquer sur ces petits pouces en l'air qui sont d'une très grande aide pour moi. Merci. Et là, je vais refaire pareil, remettre un peu d'ocre jaune bien concentré. Mettre aussi ici. Voilà. Très bien. C'est la période des paillettes, nous dit Caribou de la Vega. De la Vega. J'espère que tu vas les sortir. Mais éventuellement, tu peux faire des écharpes à paillettes. Mais comme je le disais en début de ce direct, du coup, tu n'as pas entendu, ce sont des ours très élégants. Paillettes et élégance. Je ne sais pas si ça va très bien. Je ne sais pas si c'est très compatible. Du coup, j'hésite beaucoup. Par contre, on pourrait très bien faire un lettrage avec écrit Joyeuse fête tout en paillettes. Parce qu'effectivement, c'est quand même la période des paillettes. Donc là, je me refais un gris avec bleu outremer et terre de sienne. Je crois que j'ai pris terre de sienne. Et je vais le diluer beaucoup plus que ça. Et surtout, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau qui est beaucoup plus fin et cette fois-ci je vais travailler sur les museaux et je vais le travailler en deux temps. D'abord, je vais tracer le contour du museau avec ce pinceau chargé de gris. Ensuite, je vais rincer mon pinceau, je vais l'essuyer et je vais venir adoucir l'extérieur de mon tracé. C'est ce qu'on a vu si vous aviez suivi Simple et Joli, ma formation aquarelle. Eh bien, c'est ce que nous appelions la fameuse touche adoucie. Donc je viens tracer le museau comme ceci. Puis je rince mon pinceau, je viens l'essuyer pour qu'il soit propre. Et là, je vais venir le passer sur la bordure extérieure. Et j'en profite pour étaler un petit peu mon gris au niveau des yeux, mais ne le faites que si ça en a besoin. Si vos yeux ils sont déjà suffisamment dans l'ombre, on va éviter le mode panda. Voilà. Donc ça c'est un très bon moyen de créer du relief facilement et avec une certaine douceur. Et vous pouvez aussi utiliser cette méthode si vous avez une ombre qui n'est pas suffisamment marquée. Admettons que je veuille créer une zone d'ombre ici. Je vais rincer mon pinceau, l'essuyer sur mon papier absorbant, sur mon chiffon. Et oh non, je l'ai mal essuyé. Du coup, ça a mis une énorme goutte d'eau. Ah, ben c'est pas grave. J'espère que vous aviez compris le principe parce que clairement, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu. En fait, j'utilise ça. C'est un chiffon, un essuie-tout lavable. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est super, je vais pouvoir essuyer mes pinceaux dedans et le laver et le réutiliser. Et c'est quand même
un bon concept. Mais le problème, c'est que il est beaucoup moins absorbant en fait que les Shih Tzu classiques. Et du coup, je me retrouve à croire que mon pinceau a été suffisamment essoré, alors qu'en fait, pas du tout. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'utilise, donc on pourrait penser que je suis habituée. Non, je me fais toujours avoir. Là, je vous remontre. Du coup, je vous remonte sur l'oreille. Voilà, petite zone d'ombre que je veux adoucir parce que je ne veux pas qu'elle soit trop démarquée. Donc cette fois-ci, je sors vraiment très très bien mon pinceau. Et voilà. Et je l'ai tellement bien essoré que. Voilà. Et là, du coup, on a une transition en douceur. Ok. Clic pouce, clic petit pouce, merci pour vos petits clics. Protéines de soja, nous dit Alexandra. Ah d'accord, Nutri-Score A. Ah, bien joué. Et bonjour à Lolis qui nous a rejoint. Les robes de princesse ont des paillettes. Ces ours ont bien le droit d'être royaux. Tu as raison. J'aurais dû les faire en robes de princesse, mince. Tes ombrages sont beaux, j'ai beaucoup de mal, mais c'est souvent plat sur mes aquarelles. Et ben, j'espère que, avec ces petites astuces, tu pourras mieux réussir tes ombres à l'aquarelle. Mes petites papattes sont désormais sèches. Je vais. Ouh, ça c'était du turquoise. Je voulais de l'outremer. Je vais faire un noir plus marqué que le gris que j'ai utilisé pour les ombres. Et pour cela, je fais non pas outremer plus terre de sienne brûlée, mais outremer plus terre d'ombre brûlée. Et là, vous voyez que j'ai quelque chose de bien noir que je vais pouvoir utiliser sur les coussinets, là. Que j'aurais pu faire aussi au liner hein, d'ailleurs, mais bon. Il faut que je m'hydrate à nouveau. Émilie veut mettre des paillettes dans le ciel pour faire des étoiles. C'est une super bonne idée. Je valide cette idée. Après, j'avoue que je vais vous montrer en fait comment j'ai fait le ciel. J'ai fait par glacis et vraiment j'adore le rendu parce que en faisant comme ça, t'obtiens vraiment une profondeur et du coup si tu mets des palettes, des paillettes, tu n'as plus du tout cette profondeur parce que en fait les aquarelles métallisées elles sont opaques. Donc tu as un effet qui est complètement différent mais qui sera aussi très beau, juste différent. Voilà, petite truffinette terminée. Mise en couleur bof bof, j'ai pas réussi le gris. Ah, peut-être que tu as mal dosé du coup tes couleurs. C'est vrai que si tu mets trop d'outremer, tu tombes dans le bleu. Si tu mets trop de terre de sienne brûlée, tu tombes dans le marron. Donc il faut vraiment avoir le juste milieu. Mais moi j'aime beaucoup cette combinaison parce que ce sont deux couleurs qui sont dites granuleuses. Et parfois tu peux voir, si tu regardes de près, là je le vois d'ailleurs sur mon nounours, tu vas avoir des petites séparations de pigments et ça crée une légère texture et je trouve que c'est magnifique et que sur les animaux, eh ben, ça peut donner un peu des effets qui peuvent faire penser à de la fourrure. Et moi c'est vrai que je trouve ça super chouette. Donc ça, c'est vraiment mon système habituel pour ombrer mes petits sujets. Ensuite, je vais laisser sécher parce que je vois que c'est toujours un peu mouillé. Du coup, je vais passer au museau de l'ours, du bonhomme de neige, et on va se refaire une petite touche adoucie. Alors, soit on le fait entièrement au céruléen, soit on peut rajouter un tout petit peu de gris. Voilà. Pour changer un peu de teinte et avoir quelque chose d'un peu moins saturé. Et là, du coup, je vais faire tout le contour du museau. Parce que c'est un bonhomme de neige. Donc, en fait, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont fait une boule de neige pour la tête. Ils ont fait une autre boule de neige et ils l'ont collée dessus pour le museau. Et donc, nous, on va montrer la délimitation de cette boule de neige qui a été collée. Sauf que du côté de la lumière, cette bordure sera toute fine, et par contre, du côté de l'ombre, eh ben, vous voyez là, on a justement fait en sorte de faire plus d'ombre. Donc ça devrait être joli. On va voir. Ah non, j'ai appuyé mon poignet sur le manteau.
Alors, essayons de ne pas faire de bêtises. Je suis toujours avec mon pinceau fin. Si jamais vous avez des problèmes de mains qui tremblent, ce qui peut m'arriver, je trouve que ça aide de faire, de pas essayer de tout faire en une seule fois, mais de faire plusieurs petits traits. Ça évite d'avoir un museau trop déformé. Si vous le déformez, après, franchement, c'est pas très grave. Vous pouvez repasser, faire d'autres traits, et après, justement, avec votre pinceau, vous voyez. Oh, punaise, il n'est pas encore assez essoré. Avec votre pinceau, vous allez pouvoir venir, hop, fondre le reste. Et je retourne un petit peu ma feuille pour que ce soit plus facile pour moi. Pas hésiter à faire ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça définit un peu plus le bonhomme. Et on peut faire la même chose d'ailleurs pour les petites boules de neige qui ont été appliquées au niveau des osors. Hop. Peux-tu donner la référence de tes pinceaux? Alors là, celui que j'utilise, le pinceau fin. C'est un pinceau de la marque Etcher. C'est un numéro 2. Et je ne sais pas s'il s'achète tout seul. Je crois que tu es obligé d'acheter tout l'assortiment de 10 pinceaux. Et du coup, il est dedans. Sympa, moi, je trouve. C'est quoi ta marque de pinceau? C'est Etcher. ok. Donc, ensuite, j'ai encore des zones qui sont humides, donc on va jouer la sécurité et on va peindre le manteau de l'ours de droite. Alors moi, je l'ai fait en vert et j'ai utilisé une base de vert de vessie que j'ai beaucoup ombré. Donc finalement, c'était plus la base. Après, c'est devenu une base de vert de périlène. Comme si son manteau était d'un vert très foncé, mais qu'il y avait une petite zone de lumière là où la lumière frappe. Voilà. Si vous n'avez pas de vert de périlène, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu d'outre-mer à votre vert, et comme ça va le foncer, et ça va vous permettre d'avoir vous aussi un vert foncé qui sera très chouette. Je suis fan de cette illustration et de l'esprit qui s'en dégage. Merci beaucoup. Bonjour du Québec, bonjour à toi, ESTA. Esta. Ok, c'est parti du coup pour le dernier petit manteau. Donc je vais commencer par mon vert de vessie, qui est, si vous vous demandez, le vert de vessie de chez Daniel Smith, qui est mon préféré. Je le trouve trop beau. Je me suis dit que ce serait bien s'il y avait du vert et du rouge dans cette carte, parce que c'est quand même une carte de Noël, d'où la présence d'une écharpe rouge et d'un manteau vert. Et ça, c'est un pinceau azur hein, que j'ai pris. Tout à l'heure, j'avais le Staedtler qui perdait ses poils partout, qui me rendait un peu folle. Donc au moins, les pinceaux azur ne perdent pas leurs poils, ou en tout cas pas trop. Pas autant que celui-là, clairement. Ça a dû m'arriver quelquefois, mais très raisonnablement. Voilà, et là, du coup, je vais pouvoir prendre mon verre de périlène. Et bonjour à Elisabeth qui nous rejoint. Là, il y a l'ombre portée
de la papate, mais vous voyez comme ça s'est démarqué, parce que mon verre de vessie, en fait, il a séché à la vitesse de la lumière. Donc je viens à nouveau avec mon pinceau propre pour adoucir. Mais là, il faut se méfier parce que comme ça a été très démarqué parce que, là, il est déjà sec carrément, parce que en fait, il a eu le temps de sécher, ça veut dire que si jamais mon pinceau est mal essoré, comme on sait que ça a tendance à m'arriver, eh bien, c'est là où on peut vite faire des auréoles. Donc, il faut vraiment bien l'essorer. Là, c'est mieux. Mais du coup, il est vraiment déjà sec. Bon, écoutez, je vais faire l'autre côté. Comme ça, au cas où, si jamais il a encore un petit peu d'humidité, eh bien, je vais lui laisser le temps de sécher et je viendrai faire des touches adoucies pour les ombres. Le Undersea Green de Daniel Smith est super. Je n'ai pas encore essayé leur verre de vessie. Oui, alors ce verre Undersea, on me l'a conseillé. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, mais il est très, 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 très désaturé. Et sur le coup, je me suis dit, je ne vais pas l'utiliser. Et en fait, j'en avais fait une aquarelle il y a presque un an. C'était un paysage. C'était la première fois que je faisais une vidéo qui était non commentée. J'avais juste mis des musiques un peu méditatives et j'avais fait un paysage assez, comment dire, stylisé, parce que j'étais partie d'une photo, mais j'avais complètement changé. Et je l'ai utilisé en grande, grande, grande partie pour faire l'herbe. Et du coup, ça donnait une atmosphère un peu rêveuse, un peu, je sais pas, mélancolique. Et c'était d'un très, très bel effet. Mais le truc avec ce verre, c'est qu'il a énormément de pigments différents dans sa composition, ce qui fait que le rendu est finalement très, très proche du gris. C'est plus un gris-vert finalement qu'un vert. Et ça, je ne le savais pas. Mais ça, enfin, je trouve qu'effectivement, il peut avoir une très très belle utilité et faire de très jolis rendus, simplement avec les bons sujets. Et ce verre de vessie, par contre, il est beaucoup plus coloré, mais pas trop coloré comme celui de Schmink, que je trouve pour le coup trop coloré, voire criard. Et pour la végétation, honnêtement, il est juste magnifique. Et là, je vais faire la même technique qu'avec mon ocre jaune très concentré. Je vais prendre du vert de vessie très concentré. Histoire de lui donner un peu plus de peps. Je ne peux pas mettre 2 pouces en l'air, mais je le ferai bien pour le fait que tu sois capable de parler en même temps que tu dessines. Merci à toi, Stella. Tu sais ce qu'on dit. C'est l'intention qui compte. Et je suis très touchée. Je vais venir retirer un peu de peinture au niveau de la manche. Et aussi, je vais reprendre mon pinceau méga fin pour pousser mes pigments bien jusqu'à l'esquisse. Coucou Cindy, en retard. Eh bien, coucou Christine. Pas de souci, tu pourras voir le replay qui sera, je pense, interminable. Mais il sera là. Alors là, on est sur un pan de manteau qui va être très foncé. Mais comme ici, j'ai une petite flaque de peinture, je ne vais pas le faire tout de suite. Mais je vais faire cette partie-là. Je vais faire cette partie-là. Alors, je vais essayer de mouiller un peu plus mon papier. De charger un peu plus mon pinceau, on dira, pour que il ne sèche pas aussi vite que tout à l'heure. En plus, quand il y a déjà une couche appliquée sur le papier, il va sécher encore plus vite. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. Et je me dépêche de prendre un peu de périlène.
Ce vert de Périlène, par contre, il est de Schmink. Et c'est un vert qui est quasiment noir quand on l'utilise vraiment au maximum de sa concentration. D'ailleurs, il me semble que le pigment, c'est un pigment qui s'appelle Becca pour Black. Donc c'est un pigment noir, mais verdâtre. Ça aussi, c'est une couleur que j'adore. Et si vous aimez bien faire, par exemple, des bouquets de fleurs, des aquarelles florales avec différents feuillages, je trouve que là, cette combinaison-là, vert de vessie et vert de Périlène, c'est super chouette. Bravo pour cette concentration et polyvalence. Merci. merci pour cette démo aquarelle. C'est vrai que le choix des pinceaux est important. Oui, c'est vrai. Vert de mai. Alors ça, c'est un vert qui est beaucoup plus clair, il me semble. C'est un vert printanier, justement. Et Isaro a ce vert-là. Je sais pas si vous le voyez, oui. C'est vert Isaro clair qui est un petit peu du côté opaque, mais qui est très sympa aussi, que j'aime beaucoup. Les pinceaux Léonard 400 € Azur. Oui, bah c'est celui-là. Oui, c'est vrai qu'ils sont très très bien. Est-ce que le vert de mai de Schmink, c'est un vert de vessie? Oh, là, tu m'en demandes un peu beaucoup. Faudrait regarder si c'est un mélange de pigments. En fait, le vert de vessie, il est appelé comme ça, mais c'est pas toujours la même combinaison. Même, tu peux prendre 5 fabricants différents qui te proposent vert de vessie. Ce sera jamais la même combinaison de pigments, en fait. C'est juste pour te dire que c'est un vert végétal. Le vert de mai, il est plus clair. Schmink, ils ont un vert de vessie. Mais leur vert de vessie, je le trouve flashy et pas naturel. Par contre, si tu lui rajoutes un petit peu de terre de sienne, c'est mieux. Ça va casser un petit peu son côté trop vif et ça sera mieux. Alors là, je vais juste venir étaler un petit peu ces pigments-là. Parce que je vois qu'ils sont en train de sécher en auréolant. Voilà. Et ben, on est pas mal. Je vais attendre encore un peu pour faire ce pan de manteau parce que là c'est encore très humide donc j'ai peur d'une petite catastrophe. Du coup, je vais venir faire l'écharpe de mon bonhomme de neige. Alors moi j'ai pas de rouge comme celui que j'ai fait pour mon modèle. Du coup j'ai mélangé mon rouge orangé, qui est de l'orange de Pirol transparent, avec mon rose de Quinacridone. Et ça m'a donné un rouge que je trouve très chouette. Mais vous pouvez prendre le rouge de votre choix. D'ailleurs, chez Schmink, il y a un rouge rubis qui est absolument magnifique. Je crois que c'est mon rouge préféré de tous les temps. C'est le rubis foncé, mon rouge préféré. Oui, mais en fait les deux sont très beaux, mais je crois que je préfère quand même le rouge de rubis foncé. Alors, qu'est-ce que j'avais pris pour l'ombré? Je crois que j'avais pris de l'outremer pur. Ou alors j'en avais rajouté à ma base de rouge et j'avais rajouté cette couleur-là dans mon écharpe. Bon, là, vous pouvez complètement changer les couleurs d'ailleurs. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bon. Si vous voulez qu'il ait une écharpe violette, c'est votre droit. Vous avez raison. Bon, elle tourne au fur et à mesure cette carte, mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Surtout que à gauche comme à droite, il y a des sujets qui sont pas tout à fait secs. Donc c'est important de ne pas toucher aux autres nounours.
Je ne sais pas si vous entendez, mais j'espère que vous n'entendez pas. J'ai mon ventre qui se met à gargouiller. Je crois qu'en fait, c'est l'heure du goûter. Je vois qu'il est 16h30. As-tu testé les aquarelles Winsor & Newton? Typiquement de la palette Cotman. Ouais, j'ai testé la palette Cotman. À un moment, c'était ma palette de voyage. C'est très correct. C'est très correct. Les couleurs en elles-mêmes, en fait, sont très belles. Après, là où ça diffère vraiment des aquarelles professionnelles, c'est que tu vas avoir des peintures plus dures. Je parle des godets. C'est-à-dire que tu vas moins pouvoir prélever de couleurs en un seul coup de pinceau et ils vont sécher plus rapidement. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Et après, quand je suis passée à une palette comme celle-là, qui est une palette que j'ai faite à partir de tubes que j'ai versés dans les godets et que j'ai laissé sécher, ça, c'est hyper crémeux. Tu mets un petit coup de vaporisateur et ça reste humide pendant ta séance et c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est un très très grand confort. Mais voilà, c'est du confort. Tu peux toujours t'adapter. Moi, j'ai utilisé la Cotman pendant très longtemps. Une fois que tu as l'habitude, en fait, bah, c'est pas un souci, mais ça, c'est vrai pour tout. Tu peux t'adapter à quasiment toutes les marques, hein. Mais juste, voilà, faut savoir que par rapport à d'autres choses, ça va être une des différences. Voilà. Alors, j'ai pas précisé ce que j'ai fait. En plus, vous avez peut-être même pas bien vu. Mais pour l'ombre de l'écharpe, en fait, là, j'avais mon rouge que j'ai créé. Et j'ai prélevé un petit peu d'outre-mer. Je l'ai mélangé. Donc, j'ai eu cette espèce de violet. Et c'est celui-là que je suis venue appliquer dans l'écharpe pendant qu'elle était encore mouillée. Je crois que j'ai loupé une question. J'ai vu passer. Pourquoi on appelle verre de vessie? Je crois que c'est parce qu'à l'époque, il était conservé dans des vessies de porc ou un truc comme ça. Mais ça, tu peux trouver sur Internet. Je suis contente de cette mise en couleur. Ah, mais très bien. Je suis ravie que vous passiez un bon moment et que vous soyez content de ce que vous faites. C'est très bien expliqué, j'adore mes ours. Oh, mais c'est cool! Super! Ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci de prendre le temps de le préciser parce que bah, c'est chouette. J'ai acheté mon premier tube de schmink cet été, je n'en reviens pas. Oh, c'est cool que tu puisses te le procurer parce que c'est vrai que bah, des fois, quand tu es sur un autre continent, on n'a pas forcément accès aux mêmes marques. Et comme les schmink, ils sont fabriqués en Allemagne, bah, c'est super que tu aies pu tester. Et alors, schmink, pour le coup, tu le mets dans un godet comme ça, c'est des merveilles. Tu peux l'utiliser bien sûr sorti du tube, mais déjà quand tu le verses dans ton godet, tu vois la peinture qui épouse parfaitement la forme du godet et ça te fait pas des petits pâtés comme ça peut faire avec Daniel Smith par exemple. Et vraiment, ils sont hyper fluides et crémeux et après, une fois qu'ils sont secs, tu peux les réhydrater tellement facilement. C'est une super peinture. J'adore Schmick. Mais j'adore Daniel Smith aussi. Mais Daniel Smith, t'as plus des différences de texture d'un tube à l'autre, alors que Schmink, ils sont plus homogènes. Je crois qu'il y a du miel dedans, si je ne me trompe pas. Ah, quoique, il n'y a peut-être pas de miel. Je ne sais plus. L'heure de la mousse au chocolat. Oui, c'est vrai qu'il fait bientôt nuit, il faut que je me dépêche. Alors, il est enfin sec. Je vais pouvoir faire déjà ces petits boutons. Tomino, si tu m'entends, je n'ai plus d'eau. Est-ce que tu pourrais m'apporter la bouteille d'eau, s'il te plaît? J'ai eu un geste malheureux. C'est pas grave. On va rattraper ça. Alors. Si on fait des boutons d'un côté, de l'autre côté, bien sûr, il faut qu'il puisse boutonner son manteau, sinon, le pauvre. Tomino. Tomino ne m'entend pas. Tac. Un.
Ça va être l'heure de la brioche maison. Oh, brioche maison! Oh, comme je t'envie! Et bravo d'avoir fait ta brioche maison. J'ai eu une velléité de faire ma brioche maison il y a quelque temps. Et en fait, j'avais lu ce livre, Legends and Lattes, que je ne recommande pas spécialement. Mais dans ce livre, il y avait un des personnages qui faisait des roulés à la cannelle, cinnamon rolls. Et j'ai eu une telle envie d'en faire et ça a duré plusieurs jours et je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas succombé à cette envie. Je pense que je n'en ai pas eu vraiment le temps non plus. Tomino a entendu mon appel. J'entends des pas qui se rapprochent. Oh, merci mon David. Tu n'as pas entendu en fait, si? Ah, tu vas Mais remplir mon si, verre. Hein. Merci beaucoup. tu veux un verre ou une bouteille du coup, peut-être je prends dans le verre. Oui. Je vais pouvoir rester hydratée grâce à Tomino. Alors là, j'ai appliqué mon bleu sur cette zone qui était sèche et je vais revenir adoucir le tout comme ceci. Merci Tomino, tu peux le mettre là. J'attendais la mousse au chocolat. Et tu attendais la mousse, mais je vois, je suis un peu occupée, mais si tu veux te lancer, n'hésite surtout pas. Non, je vais attendre que t'aies fini. C'est vrai, ça va faire du bruit avec le robot. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Là, c'est du céruléen que j'ai mis. Je suis désolée, je ne sais plus si je l'ai précisé. C'est du céruléen que j'ai mis pour les écharpes. Donc après, elles seront avec des motifs, hein, des rayures. Mais je commence par faire les ombres. Comme ça, après, ça va être plus joli. On aura plus une impression de tridimensionnalité. Là, j'ai oublié d'adoucir, vous voyez, et ça a eu le temps de sécher. Je vais venir frotter un peu mon pinceau dessus, là. Hop. Voilà. Ça ira bien. Ça fera une superbe carte de vœux, nous dit Mimi. Eh bien, je suis très contente que ça te plaise. Je peux t'envoyer la recette de la brioche. Mais j'en ai plein en plus, parce qu'avant j'en faisais des recettes de brioche. Enfin, j'en faisais des brioches. Je faisais notamment ma préférée, c'était la vendéenne, brioche tressée. Donc il faut séparer ta pâte en trois, faire une tresse. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que bah déjà, il faut qu'elle lève une fois. Après, il faut que tu fasses ta brioche. Il faut encore la mettre à lever. Et après, il faut la cuire. Et j'avoue que c'est pas vraiment la période de l'année où je peux. Oh, j'imagine que je pourrais, hein, mais voilà. Quand les journées sont longues, après le soir, tu te dis juste, bon, je vais me reposer, je vais bouquiner, je vais faire autre chose. Voilà. Voilà. Hop. Tomino pourrait vous dire que fut un temps, je faisais aussi ma pâte feuilletée pour pouvoir faire mes propres galettes des rois. Ensuite, on a découvert une pâtisserie à Angers qui faisait des galettes des rois incroyables. Ce fut la fin de mes galettes des rois. Je dois vous quitter, nous dit Mimi. Eh bien, passe une bonne fin de journée, Mimi, et merci d'être venue. Un peu de verre de périlène sur ce manteau. J'ai oublié de faire sa truffe à celui-là. Ok, ensuite, alors, est-ce que c'est sec ou pas? Oui.
Donc maintenant que mon écharpe est sèche, je vais pouvoir lui faire ses petites rayures. Donc pour lui, j'avais fait des rayures rouges. Et du coup, la seule chose pour réussir ces rayures, c'est que si on fait des lignes droites comme ça ne va pas épouser la forme un peu pliée qu'on a donnée sur les bordures. Donc au lieu de faire des lignes droites, on va épouser comme ça la courbe. Et comme on a mis des ombres et que l'aquarelle est une peinture transparente, eh bien naturellement en fait, ce rouge va sombrer au bon moment, va S apostrophe ombrer et non pas sombrer dans le désarroi, mais vous avez compris l'idée. Par quoi remplacer le verre de Périlène? Alors tu peux le remplacer par un mélange de ton verre que tu as utilisé pour les lumières, auquel tu aurais ajouté du bleu outre-mer. Assurez-vous que votre base bleue soit bien sèche avant de faire les stries. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Peut-être que ça peut lui donner justement un côté lainage. Si ça fait des petits effilochages. Ça, on se dira, oh, elle a l'air bien chaude, cette écharpe. Et ensuite, j'avais fait celle-ci avec du bleu. C'est pas obligé. Parce que je me dis que vu que le fond est déjà bleu, en fait, on pourrait très bien rester dans le rouge. Et je pense que je vais faire cette version-là dans le rouge. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc pour lui, j'avais fait des rayures plus larges. Très bien. Bon, je vais lui faire sa truffe parce qu'il me fait de la peine. C'est le seul qui n'a pas de truffe et qui a les yeux blancs. Tac. J'ai pas fait non plus la truffe du bonhomme de neige. Peut-on faire les ombres après les rayures? C'est beaucoup moins pratique. Il vaut vraiment mieux les faire avant. Si tu les as pas fait avant, tu risques de déranger ta couleur. Enfin, si tu as fait des... Oui, tu as fait des rayures. Tu risques de faire baver, en fait, tes rayures. Oh, il est tout mignon, j'adore. Tout mimi, mimi. Par contre, les yeux complètement blancs, ça le fait pas. Je vais les faire gris clair. Une écharpe sucre d'orge, oui, tout à fait. Bah, c'est très noélique, le sucre d'orge. Donc c'est Ouh, bon, alors, maintenant, je vais faire les ombres portées de mes ours. Et donc déjà, je vous montre. Bon, vous avez le modèle, mais du coup, la direction, hein, ça va partir, ça va être situé pour respecter le sens de la lumière, plutôt sur leur droite, et ça va plutôt partir derrière eux. Donc, je vais préparer ma couleur. C'était un mélange. J'ai un peu de céruléen, je vais rajouter un peu d'outremer et un peu de terre de sienne. Tac. On va la faire plus. Je pense que j'avais plutôt mis du céruléen. Plus de céruléen que d'outre-mer. Parce que la neige, j'aime bien la faire en céruléen. Voilà. Nous n'avons pas eu l'honneur de voir Dexter. Mais Dexter, il doit être scotché à Tominou. Je pense, hein. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Et bienvenue dans le direct qui n'en finissait pas. Donc là j'ai ce bleu, il contient du céruléen, de l'outremer, du terre de sienne, de l'ocre. On va faire un joyeux mélange. Re du terre de sienne. Voilà,
comme ça. Bon. Touche adoucie. Donc, je fais en deux temps. Comme ça, je rince, j'essore et ensuite je viens adoucir. Il faut parfois rincer plusieurs fois. Pas hésiter parce que le pinceau, en fait, il se charge, donc après, il est trop chargé pour adoucir. Ça peut demander un petit peu de pratique. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est très pratique. Parce que sinon, le seul moyen d'avoir ça, c'est de mouiller tout à l'eau claire et ensuite de mettre dans l'humide. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu plus contraignant. Voilà. Un petit coucou à Ali. Ali will be one. Bonjour à toi. Je rince. J'essuie sur mon chiffon et je viens, tac, adoucir. Très bien. Et souvent, ça aide de positionner vraiment la pointe du pinceau vers l'intérieur de l'ombre, le ventre du pinceau vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans le ventre, il y a de l'eau et dans la pointe, il y a des pigments. Et donc, vous avez cette transition qui se fait naturellement comme ça. Plus qu'un. Et ensuite, on va enfin pouvoir passer au fond. Très bien. Alors je vais prendre un peu de ce vert, ce gris, très très clair, pour colorer l'intérieur des yeux. Je vais plutôt le faire avec un petit pinceau plus fin. Donc gris très 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 clair, hein. Clairement, il faut que ce soit très clair. Donc voilà, et aussi je voulais adoucir un petit peu la délimitation de l'œil. Là, je viens frotter mon pinceau humide sur la démarcation de l'œil pour que ce soit un peu moins net. On va voir ce que ça donnera au séchage. Et on va pouvoir passer du coup au fond. Alors ce pinceau-là est clairement trop petit. Celui-là est clairement trop gros. Celui-là est bien. Alors là, du coup, c'était la fameuse discussion qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce qu'on fait dans l'humide? Est-ce qu'on fait directement? Si vous êtes confortable plutôt dans l'humide, n'hésitez pas. Peut-être prenez le temps de scotcher votre papier pour éviter qu'il gonfle, parce que c'est le problème quand on travaille dans l'humide, ça a vite tendance à se recourber. Et du coup, ça peut créer des effets qu'on n'aurait pas forcément souhaités. Hop, là, je remonte un peu ma feuille. Je pense qu'on n'aura plus besoin de ça, étant donné que on va colorer ce fond. Et donc, pour le fond, comment j'ai fait, en fait, je suis partie sur le gris. Donc là, je vais juste tout mélanger, hein. Il y a de l'outremer, il y a du terre de sienne, de l'ombre brûlée, tout. Je suis partie sur ce gris et j'ai fait un premier passage comme ça. Tac. Et alors, on va dire que le fond, il va commencer à peu près là. Si vous êtes sur du petit format, normalement, ça se fait plutôt bien. Moi, pour vous dire, je l'ai même fait comme ça et avec un pinceau à réservoir d'eau.
C'est vous dire. Et en fait, de toute façon, là, le but, c'est pas d'avoir un résultat lisse. C'est justement d'avoir des démarcations, d'avoir des. Peut-être pas des démarcations, mais des changements de contraste, des endroits plus transparents, des endroits un peu plus pigmentés, pour que ça crée un arrière-plan intéressant. Là, je suis venue récupérer de l'eau claire. Tac. Alors du coup, je ne lis plus les messages étant donné que là, pour le coup, il faut que je me dépêche un peu. Mais je vous reviens dès que j'ai terminé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, parce que de toute façon, là, après, je vais attendre que ça sèche. Donc soit il n'y a pas du tout de questions. Et je mets un coup de sèche-cheveux et comme ça, on avance. Soit vous voulez en profiter pour me poser vos petites questions. Hop. Là, j'ai mis un petit coup d'outre-mer. Cette concentration. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas utilisé de drawing gum, c'est parce que j'aime pas ça. Du coup, en général, je préfère m'embêter à tout contourner plutôt que de mettre du drawing gum qui, pour ceux qui l'ignorent, c'est aussi appelé le liquide de masquage. Et donc, c'est une espèce de gomme liquide qu'on vient appliquer sur le tableau, on peint par-dessus, et après, quand on le retire, du coup, eh bien, partout où il y avait du drawing gum, on a conservé nos espaces blancs. C'est vrai que c'est pratique. Mais je n'aime ni l'appliquer, ni le temps que ça prend pour l'appliquer. Et en plus, ça sent mauvais. Voilà, c'est dit. Bon, on peut peindre un peu sa table au passage. Ce sont des choses qui arrivent. Là. Ok, alors. Là, tout de suite, on est d'accord que c'est très, 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 très moche. Il faut pas s'inquiéter. C'est le principe. En fait, on va empiler des couches jusqu'à ce que ça devienne plus opaque, plus foncé, plus contrastant. Et surtout, par le processus du glacis, chaque nouvelle couche laissera quand même entrevoir les couches inférieures. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire cet effet de profondeur que je trouve vraiment très très chouette. Alors, merci pour cette intéressante démonstration et surtout très sympathique et naturelle. Merci beaucoup. Je n'aime pas le drawing gum, ça ne rend jamais ce que je veux, ça fait des gros trous blancs. Oui, c'est vrai, ça fait des gros trous blancs, bah parce qu'en fait les bordures sont nettes. Et du coup, tu es obligé de retravailler un petit peu. Donc, c'est vrai que selon ce que tu veux faire,
C'est pas forcément très pratique. Après, j'ai vu quelqu'un qui l'utilisait extrêmement bien. C'était quelqu'un qui avait fait un tableau avec des poissons. Et il avait créé des espèces de bulles, mais comme des espèces de halos lumineux, si tu veux. Et en fait, il avait fait des points au drawing gum. Et autour des points, il avait fait une belle transition. Donc, tu avais un espèce de halo jaune qui petit à petit devenait de plus en plus foncé dans le reste de l'eau. Et au centre, du coup, quand il a enlevé son drawing gum, bah, ça t'avait ce point blanc éclatant. Et là, en fait, il repassait un glacis par-dessus. Donc, il était plus blanc, il était jaune très très clair. Et vraiment, ça donnait une lumière. C'était super joli. Mais personnellement, j'aurais utilisé de la gouache et basta. J'ai pris l'habitude de faire des colorisations de mes dessins en utilisant des feutres aquarellables sur une plaque et en prélevant le pinceau. À présent, avec un pinceau. Que penses-tu de cette technique? C'est une technique effectivement qui est assez répandue, que je ne pratique pas du tout parce que je comprends l'idée. Du coup, tu peux peindre avec tes feutres, mais c'est juste que moi, j'ai des aquarelles. Et du coup, en fait, je vois pas quel est le but d'avoir des feutres si tu peins avec un pinceau. Après, je sais pas une critique, hein, si tu le fais, c'est que tu as une bonne raison de le faire, c'est que tu n'as peut-être pas d'aquarelle, mais moi j'aime autant peindre à l'aquarelle avec mes pinceaux ou à la gouache, tu vois. Et les feutres, bah, je les utilise en tant que feutre. Voilà. Une fois, j'avais appliqué sur du papier du drawing gum et mon aquarelle était fichue. Ouais, alors ça m'est arrivé, mais oh, j'étais tellement énervée. En fait, il avait arraché le papier. Et en fait, c'était le drawing gum qui était défectueux. Et oui, c'est très énervant parce qu'en plus de ça, c'est pas des produits qui sont spécialement pas chers. Hein, ça a quand même un coût. Et en plus de ça, ce qui fait vraiment que je ne l'utilise jamais, c'est que dès que la bouteille elle est entamée, si tu l'utilises pas dans le mois qui suit, ça sèche très très vite dans la bouteille. Même si ta bouteille est super bien fermée, même si elle était dans un placard à l'abri de la lumière, ton truc il va quand même durcir et du coup toute ta bouteille est foutue et je trouve ça juste trop frustrant. Coup de gueule contre le drawing gum. Alors, je terminerai demain. Eh bien, bonne soirée à toi, Mina. Vanetta Dotcheva. Oui, non, mais après, il y a plein d'artistes qui l'utilisent sans souci. Je dis pas que c'est pas un bon produit. J'explique juste pourquoi moi, je l'utilise pas. Mais il n'y a aucun mal à utiliser le drawing gum. Il y a plein d'aquarellistes qui le font et qui le font très, très bien. C'est beaucoup moins couvrant avec les feutres. Ah oui, en les utilisant au pinceau, bah. Ouais, bah c'est de l'encre, faut dire, le feutre. Ah non, c'est du feutre aquarellable, t'as dit? Oui, mais ça reste des colorants et non pas des pigments. Donc je pense que oui, nécessairement, tu perds en couvrance. Merci pour tout, pour votre temps et gentillesse. Salutations de Grèce. Bonne soirée à toi, Maria. Et merci d'être passée. Je fais le fond sur-humide, je suis contente du résultat. Cool. Alors oui, n'hésitez pas à partager vos résultats sur Instagram. Je me ferai une joie de les repartager dans les stories. Alors pour les partager sur Insta, utilisez le hashtag Cindy Barrier, tout attaché. Donc maintenant, la magie va opérer puisque je vais faire mon glacis turquoise. Et pour moi, c'est vraiment le truc qui change tout. Donc ça, c'est l'hélio turquoise de Schmink. Et c'est là où ce fond qui était jusque-là très moche va pouvoir devenir enfin très joli. Vous voyez bien, oui. Je me suis rendu compte que je n'utilisais pas du tout suffisamment le turquoise. Du coup, j'ai décidé de réparer ça. C'est quand même une de mes couleurs préférées. J'ai acheté un feutre drawing gum. Oh, bah écoute, moi ça m'intéresse de savoir s'il est bien ou pas parce que j'ai déjà vu ça. Et en fait, au moment où c'était sorti, les gens qui l'utilisaient disaient que ça fonctionnait pas du tout et que ça se bouchait. Mais ça venait juste de sortir, tu vois. Donc je me dis, bah depuis, ils ont dû quand même tenir compte des retours et améliorer le produit, j'imagine, hein.
Mais ça m'intéresserait bien de savoir si ça s'est amélioré. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent un feutre drawing gum? N'hésitez pas à nous dire dans les petits messages du chat. Que je fasse une petite retouche sur mon nounours de droite. Parce que sa tête, elle va pas trop là. Je pense qu'il faudra que je. Je pense que c'est les yeux, en fait. À revoir. Peut-être avec une touche adoucie. Autrement, sujet qui n'a rien à voir, est-ce que vous avez une idée de sujet pour une carte d'anniversaire? D'un petit garçon de 7 ans, en sachant qu'il a déjà eu par le passé, et donc l'idée c'est de faire un sujet différent. Il a déjà eu koala, dinosaure, dragon, je crois que c'est tout. Ça me paraît bizarre parce que je pense que je lui ai fait d'autres cartes. Oui. Mais il y en avait une, c'était quoi? C'était un petit oiseau, je crois. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils aiment, les petits garçons de 7 ans, à part les dragons et les dinosaures? Un pandarou. J'aime bien les pandarous. Très mignon. Je pense qu'ils font partie des animaux les plus mignons du monde. Après, je sais pas, je me dis à 7 ans, ils veulent pas des trucs qui font peur, tu vois, comme les dinosaures. Hein. Ou alors, je peux lui refaire un dinosaure, mais changer de dinosaure. Parce que la dernière fois, j'avais fait quoi? Oh, je me rappelle même pas. Je crois que c'était un tricératops. Parce que c'est mon préféré, en fait, le tricératops. Peut-être lui faire un T-Rex. Est-ce que vous saviez que la poule était l'animal vivant aujourd'hui le plus proche du T-Rex? C'est incroyable quand on y pense. Et je trouve que ça se voit particulièrement sur leurs pattes. Ah, je suis désolée, c'est la fatigue qui me gagne. Coléoptère scarabée. Oh, c'est pas bête ça! C'est pas bête, les insectes. En plus, c'est des trucs qu'ils peuvent observer directement en s'amusant dans le jardin. J'aime bien cette idée. En plus, c'est vrai que ce sont vraiment des animaux qu'il est très intéressant d'illustrer parce qu'ils sont pleins de reflets et tout, donc c'est cool. Oh, ça commence à être joli. Je pense que je vais quand même faire une troisième couche sur le fond. Je vais voir déjà comment ça. Alors, je remonte un peu dans le chat. Alors. Alors, quelqu'un nous dit Alors, Alexandra nous dit. Le feutre se bouge trop vite, j'ai acheté un flacon. Je pense que tu parlais du drawing gum, donc toi aussi, tu as eu le problème du feutre qui se bouge. Ouais. Ben c'est dommage qu'ils aient pas amélioré leur produit, parce que bon. Du coup, j'imagine que tous ceux qui achètent un feutre se retrouvent embêtés, ce qui est quand même pas top. Pas très pratique le feutre, car on contrôle pas vraiment et on peut faire un paquet, y compris avec le plus mince, très déçu. Ah mince. Bah merci beaucoup pour vos avis, en tout cas, c'est très bon à savoir. Parce que justement, on se dit, ah tiens, c'est tout fin, ça va me permettre de faire des petits détails super fins et tout, et je pense que l'idée est très très bonne, mais voilà, il faut que le produit soit à la hauteur de l'idée, quoi. Parce que pour le coup, étaler finement du drawing gum, ça relève du challenge. Comment j'avais fait avec une plume? Alors si, c'est possible, si tu le mélanges avec un petit peu d'eau, pour le liquéfier un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, et après tu le prélèves à la plume et tu l'étales à la plume, et là tu peux avoir des traits fins, mais c'est difficile.
C'est vraiment faut le coup de main. Mais il y avait un monsieur qui faisait ça sur des portraits animaliers en fait à l'aquarelle et il faisait tous ses poils au drawing gomme. Que lui, il avait vraiment le coup de main. Et ensuite, il peignait son portrait. Et ensuite, il retirait son drawing gomme. Donc, ce portrait se retrouvait tout avec plein de traits blancs partout. Et en fait, après, il mettait des glacis. Et du coup, ça rendait très bien. Et il s'appelle Michel Sandra Terrassa. Et je l'avais connu sur le site de l'Atelier Magique. Il faisait beaucoup des portraits de vaches qui étaient très, très beaux. Ah oui, un mammouth, un tigre à dents de sabre, c'est des super bonnes idées. Merci, Égile. J'aime bien le éventuellement un dodo. Les dodos, c'est pas commun comme animal. Ça, pour le coup, il n'en trouvera pas dans son jardin. Ni des mammouths, ni des tigres à dents de sabre. Vous avez des super bonnes idées, hein. Merci beaucoup. Merci Cindy et Thomas pour ce direct. Trop cool de passer cet après-midi avec vous tous. À bientôt. À bientôt Monique et merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. J'utilisais le feutre Drawing Gum, c'était horrible. Je suis passée à l'application au pinceau fin. Ça va beaucoup mieux. Bah, tu as eu bien raison. Merci pour ton avis, Virginie. Tu as fait le lapin aussi. Je ne sais pas à quoi ce message fait référence. Ah oui, j'ai fait le lapin pour l'anniversaire, pour la carte d'anniversaire? C'est possible. J'aime les lapins. Les châteaux. Hein, les châteaux. Un animal marin. Animal marin, oui, c'est vrai. Chevalier, dit ma fille de 7 ans. Ah ouais, carrément, chevalier. Les garçons aiment les insectes, oui. Pas mal l'idée du drawing gum liquéfié. Ouais, ça marche plutôt bien. Le drawing gum se met très facilement avec un calame. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Et bonsoir à Corinne, bienvenue. Je suis là depuis le début, mais mon grammage ne supportera pas les glacis. Pas eu le temps de prendre le bon papier, mais très satisfaite quand même. Après, si voilà, si le rendu te convient comme ça, c'est très très bien. Juste sache que moi, c'est du papier en cellulose de. Ah, c'est peut-être quand même du 300. Attends, je regarde. Ouf. Ouais, non, c'est du 300, effectivement. T'as raison. Je pense que c'est bien si c'est suffisamment épais. Mais ça rend bien en séchant, là. Je suis assez contente de la tournure que ça prend. Mais je pense que je vais quand même remettre une couche. Histoire d'avoir quelque chose de plus foncé pour que vraiment les sujets se démarquent bien. Je pense que c'est bien pour le contraste. Merci beaucoup Cindy pour cela, mais de rien, je vous en prie, c'était un grand plaisir. Ce n'est pas terminé, je vais continuer à faire cette petite carte jusqu'à ce qu'elle soit finie. L'année dernière, tu avais fait le lapin. Oui, j'avais fait le lapin. Ah oui, en carte de Noël, non? Parce que là, je parlais de la carte d'anniversaire, c'est pour ça. Calame, sorte de plume en roseau très antique. Oh, ça m'intéresse, j'adore tout ce qui est antique. Comme ça, j'ai l'impression de faire un voyage dans le passé quand je peins. Les petites voitures aussi. Ah, bien vu les petites voitures. Super idée aussi. Savez-vous que tous les oiseaux sont les descendants? Ben oui, du coup, c'est vrai. Mais moi, j'avais entendu que la poule spécifiquement, c'était vraiment la descendante du T-Rex. Après, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Si ça se trouve, le rouge-gorge descend plus du T-Rex que la poule. Qui sait? Les ballons en forme d'animaux qui s'envolent dans le ciel. C'est très spécifique comme idée. Bravo! Je référais comme il a fait. Oui, après, voilà. Au moins, dans le replay, vous pouvez avancer dans la vidéo pour passer tous les moments où je réponds à vos questions. Tu en trouveras facilement des calames dans les magasins de Beaux-Arts. Eh bien, je regarderai. Merci pour cette information. Ah, la voiture du dessin animé Cars. C'est pas bête, ça, les trucs de dessin animé. Que je demande à mon frère son dessin animé préféré. Je crois qu'il adore la Pat Patrouille. Pat Patrouille. Pat Patrouille. Le petit chien blanc là. Mais ça, c'est vrai que c'est bien. Je lui avais fait d'ailleurs, à un moment, je l'avais mis sur Insta, mais c'était
Il y a plusieurs années, ma mère avait chiné un coffre en bois pour que mon frère puisse l'utiliser pour ranger les jouets de son enfant. Du coup, lui, il l'avait repeint en gris. Et moi, après, j'avais pris des acryliques et je lui avais fait tout un petit paysage des Schtroumpfs. Et c'était trop joli. Je suis retombée sur la photo il n'y a pas longtemps. J'avais oublié que j'avais fait ça. Mais c'est vrai que les trucs de dessin animé, c'est une bonne idée. Hein. La poule descend du T-Rex tout comme les charcoals ou les émeus. Alors, charcoal, je vois. Émeu, je vois. Charcoal, je vois pas. C'est vrai pour les dinosaures. Pas de patrouille, ça marche fort. Ouais, je pense que on tient une idée. C'est bien, mais on tient même des idées pour toutes les prochaines années à venir. Je pense jusqu'à au moins ces 12 ans. Facile. Alors. J'ai encore des zones humides, donc je patiente encore un petit peu. Je vais me réhydrater. Parce qu'en fait, on se déshydrate drôlement vite quand on parle. Sais pas si j'ai mon sèche-cheveux qui traîne ou pas. Ou alors je pourrais refaire mes petits yeux là. Oui, je vais en profiter pour faire les yeux. Allez, hop. Alors. Faut juste que je fasse attention à ne pas mettre mes doigts sur les endroits qui ne sont pas secs. Et là, j'essuie mon petit pinceau. Tellement mignon. J'ai fait plein de bêtises, mais je me suis éclatée à réparer. C'est l'essentiel. Ça rend super bien avec des fusions imprévues. Et bah tant mieux, c'est cool. Très très cool. Après, si vous avez des zones qui ne vous plaisent pas, si vous avez des auréoles que vous trouvez vraiment disgracieuses, le truc à faire, c'est tout simplement refaire un glacis. En fait, vous allez foncer, foncer, et plus vous foncez, et plus ces démarcations vont s'aplatir, en fait. Et donc, vous allez peut-être les conserver, oui, mais elles seront beaucoup plus discrètes, et du coup, bah, il y a de fortes chances pour que ça vous pose moins de problèmes. Ça j'ai déjà lu, faire un beau panda ou deux pandas. C'est vrai que les pandas aussi c'est très chouette. Ça fait très longtemps que j'en ai pas peint. Pourquoi une couche avant le bleu? Eh bien c'est pour avoir ces effets de profondeur parce que du coup sous la couche de bleu tu peux quand même continuer à distinguer d'autres couleurs et en fait ça agit vraiment comme un filtre. Et là je vais faire un troisième glacis qui va me permettre d'opacifier encore. Et surtout de foncer encore et qui va venir se rajouter. Et au final, moi je trouve que ça rend trop trop bien. Je suis fan de cet effet. Voilà. Même si, voilà, en soi, je pourrais m'arrêter là, ça serait pas moche. Mais je pense que ça peut être encore plus joli avec une troisième couche. Hello Denis, oui bien sûr, tu pourras revoir cette vidéo, elle sera en replay et tu pourras même la passer en accéléré. Je ne pourrai pas te blâmer. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est toujours un petit peu humide. Après, on aurait pu faire aussi même... de la neige avec un Posca blanc ou avec de la gouache blanche, faire des petits flocons pour habiller un peu le fond. J'y ai pensé, j'ai un peu hésité, et puis je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire vu qu'il y a quand même pas mal de petites choses déjà. Je cherche juste mon stylo à gel blanc, justement parce que je vais pouvoir. Ici, rajouter un petit coup de blanc. Faire ressortir un peu certains détails. Ça peut être sympa.
Là où il y a des superpositions notamment, là il y a la manche. Ça ajoute un petit truc en plus. Trop mimi. Bah, je suis bien contente que ça vous plaise. C'est bien mignon ce que tu as fait. Merci beaucoup. Oui, effectivement, et il avait déjà répondu à la question du calame, mais merci à toi pour ces infos. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? J'avais oublié l'oroche. Ah, l'oroche, c'est une espèce de bœuf, non? Il me semble. Non? De bœuf ou de biche, un truc comme ça. Je pensais que c'était, en fait, je pensais que c'était une créature imaginaire. Mais peut-être pas, peut-être que c'était juste une créature préhistorique. Parce qu'il y en avait dans Game of Thrones. Alors, je vais bientôt pouvoir faire mon dernier glacis. Du coup, je vais commencer à préparer un petit peu ma peinture. Est-ce que je le fais en... Oui, je vais rester sur le turquoise. Parce que c'est une valeur sûre. C'est l'ancêtre de la vache. Ah, d'accord. Tu es plein d'informations, Égile. Merci à toi de refaire un peu ma culture. Allez, dernier glacis. Et bon week-end à Isabelle qui va cuisiner. Très bien tout ça. Moi, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Peut-être que Tominou va me préparer quelque chose pour changer un peu. Qu'il n'est pas assez foncé. Il va être super gondolé, mon papier. Mais à la limite, c'est pas très grave. Je le mettrai sous un... sous mon gros livre de la pâtisserie de Christophe Feller, qui pèse 8 kilos. Non, je plaisante. Il ne fait pas 8 kilos, mais il est très lourd. Et en général... Après une bonne nuit sous le livre de la pâtisserie, tout est plat. Ça revient trop souvent, ces repas, nous dit Lolis, je suis bien d'accord avec toi. C'est un casse-tête qui n'en finit pas. Pourquoi j'ai du vert sur mon pinceau? Bizarre. Et bonne soirée à Christine. Merci beaucoup d'avoir passé cette belle après-midi avec nous.
J'ai hâte de voir comment ça va sécher, mais là, ça me paraît très très bien parti. Et bonne soirée à Laurence. Et merci Cécile pour ton gentil compliment sur mes ours polaires. Je suis très contente qu'ils te plaisent. J'avoue qu'ils me plaisent aussi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en plus. Je sais même pas si j'en avais déjà fait d'ailleurs. Et voilà. Tac, tac, tac. Alors, on a une auréole en cours par ici. Voilà. Très bien, je vais laisser ça sécher. Pardon. Je vais laisser sécher et bah comme je vous le disais, on a un bel espace sous la carte pour pouvoir rajouter joyeuse fête si on veut. Je vais pas le faire ce soir parce que je pense qu'on a eu déjà un beau live. Du coup, je le rajouterai plus tard. Mais voilà, j'espère que ça vous a bien plu. J'espère que si vous avez réalisé cette carte avec moi, vous êtes tout aussi satisfait de votre résultat. Je rappelle que vous pouvez le mettre sur votre compte Instagram avec le hashtag Cindy Barillet, tout attaché. Cindy, c'est Cindy. Et du coup, je vais aller voir et je vais les repartager dans mes stories et je serai vraiment, vraiment ravie de voir ce que vous avez fait. Je regarde juste vite fait le chat. Ça me donne envie d'utiliser la peinture en tube. Ça a l'air très crémeux. Oui, c'est toi qui utilisais les feutres, il me semble, Lolis. Effectivement, c'est très chouette aussi la peinture. Mais les feutres aussi, après, c'est juste que ça change et moi, je sais que j'aime beaucoup changer de médium, justement. Donc voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier du fond du cœur. Je ne sais plus si je l'avais fait, mais maintenant oui. Et je vous dis à normalement dans 2 semaines pour un nouveau direct. D'ici là, je vais réfléchir à un autre sujet qui pourra nous occuper. Et puis passez une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.